Nous commençons exactement à 9h. 9h précise, c'est le rendez-vous que nous vous donnons, amis internautes, amis téléspectateurs, chaque dimanche sur les différentes pages internet de Téléimage, sur les réseaux ou pas Téléimage, réseau internet, les pages Facebook, notamment la page de Valério Saint-Louis sur Facebook, page Téléimage sur Facebook, et puis sur nos pages YouTube, nous sommes avec vous, pour ceux-là qui nous regardent à travers le monde, nos amis internautes. Il faut aussi saluer les amis téléspectateurs qui, eux, sont branchés sur le petit écran de télévision, il est branché sur différents réseaux câblés. Côté émission, ça a passé, par exemple, à Souala. Nous allons commencer tout à 9h sur Verizon Fios TV. C'est sous Channel 40, sous Gain Verizon Lacayou, ou dans la zone métropolitaine New York. Quel que soit côté, dans Tri-State Area, Verizon Fios TV. Channel 40, c'est chaque samedi, chaque dimanche, Téléimage. Nous là tout pour les gens qui ont même regardé sous télévision. Oui, il y a des grands gens qui remet Téléimage. Il y a des gens qui toujours envoyé des prières de bénédiction pour Valério et sa femme et pour Téléimage. Dans son entier, nous disons grand monde, merci. Puis quand je dis grand monde, c'est des gens, c'est des dames et c'est certainement des gentlemen qui, d'un âge certain, regardent toujours ces émissions et trouvent ces émissions, ils se retrouvent du moins dans ces émissions et rejoignent bon petit information, bon petit la détente tout, n'est-ce pas? Alors nous voulons saluer de façon particulière. Donc, il y a regardé nous tous sous dans Long Island, c'est sous Channel 20 à 11h du soir, le mercredi dans Long Island, et puis sous Long Island toujours, nous là le samedi. À 4h de l'après-midi sur Channel 20, dans Brooklyn sur Channel 69 à 4h30. Et puis tout l'autre côté, côté émission, ça a passé dans Queens, dans Manhattan, the Bronx, everywhere, dans la zone métropolitaine New York. Là. La liste est longue et différente côté de passé, par une grille d'or et Téléimage. Mais au moins, il est certainement côté de passé. C'est sûr, donc Téléimage, en train de la caillou, on a commencé exactement à 9h, heure précise. Nous sommes à l'heure. La ponctualité est devenue ici à Téléimage. Et maintenant, on va vous dire un petit peu ce qu'on a pour voir cette émission. C'est quoi la programmation de cette émission? Tout de go, pendant m'a invité nous là, parce que nous ne pouvons pas arriver, non, c'est pourquoi émission officiellement, mais nous avons venu sur vous, ou même qu'à regarder sur Internet, ou même qu'à regarder sur la télévision, par exemple, Madame Sa, qui dit même, et semaine passée, elle dit non, elle n'a pas mis de pied sous Maril, elle même pied, c'est sous Cabana Lié, elle met pied dans l'air sous Cabana, elle a pris l'émission, parce qu'elle a regardé les mêmes sous grand écran, c'est sur YouTube que le branché Madame Sa. Merci pour ça, chère Madame. Alors, qui ça nous gagne pour vous dans l'émission aujourd'hui? On a regardé pour vous. Aujourd'hui, émission très intéressante. Et je pense que nous avons vraiment apprécié l'émission parce que aujourd'hui, nous avons invité de marque. Nous avons invité très, on dit spécial, important tout. Les gars pile pour parler ensemble avec nous. On va rencontrer cet invité, Tale Gonçal, depuis Port-au-Prince Haïti en direct. Nous parlons pas avec Tale Gonçal. L'invité d'aujourd'hui, voilà, Monsieur Jerry Tardieu. Ancien député de la République, et puis c'est aussi un entrepreneur, un auteur de plusieurs livres, Jerry Tardieu, Jeunet Jodia, il est à la tête au mouvement qui est en avant. Le mouvement en avant, on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit avec l'ancien député Jerry Tardieu, député de Pétionville, et c'est Yon Moun qui était, oui, il était prêt à bâton pèlerin, il était venu dans la diaspora, nous songer, pour te marcher, pour parler de la constitution d'Haïti. Le SA, il était à la tête d'une commission qui était chargée pour faire remaniement, passer main en constitution. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avec notre invité, on va parler de la constitution. On va parler référendum, puisqu'il y a un référendum qui est pour bientôt. Donc on va parler de toute cause de ça, avec justement Jerry Tardieu. Voici donc l'émission qu'on a pour vous aujourd'hui. Déjà, nous invitons, et comme on a commencé là, nous toujours dire, s'il vous plaît, faites ça pour nous, non, s'il vous plaît. Pas faire chiche avec live là. It is your life, indeed. Thank you for streaming with us. But please do share the live stream, share the broadcast. Donc, à partager ce live-là, s'il vous plaît, pour plus de monde capable d'entendre ça que Téléimage a porté par vous, garder tout, puisque nous-mêmes étendons et puis c'est ouais tout, pour nous capables et bien, participer avec l'invité d'aujourd'hui, M. Jerry Tardieu. OK, donc, partagez s'il vous plaît. Nous allons commencer exactement à 9h. Là, à son moment, comme moi toujours fait, remarquez que c'est chaque dimanche, moi toujours viens un petit peu plus tôt, aux gens pour m'inviter, pour Mando, s'il vous plaît. Allez, chez bon, madame. Et nous-mêmes, tout cap garder. Des portes. Oui, nous-mêmes, quand on regarde des portes, on n'est pas belle. Entrez, non, nous te mettons entrer. On a regardé dans trois portes, on a regardé des portes, on a regardé dans la fenêtre. Entrez dans le live, là, viens regarder. Viens regarder telle image. Maintenant, je veux aussi, en précision, bon, parce que la semaine dernière, c'est un ami qui m'avait dit que Valério, l'homme était 9h sur Flyers, là, sur annonce, là, l'homme dit 9h, on va commencer. Moi-même, par exemple, moi en Californie. Donc, c'est pareil pour moi qui, par exemple, dans l'autre pays, qui dans l'autre continent. 9h, s'il vous plaît, c'est 9 p.m. Eastern Time, ça veut dire le New York. Donc, soit en Californie, par exemple, notre ami Marc Edipierre, c'est à 6h du soir. Donc, il dit, il faut mettre le
Californie en tout, Western Time, non, faut me mettre le tout côté. C'est ça pour nous connaît, Téléimage, c'est depuis New York que nous avons mis, depuis nos studios ici à Long Island, et aussi depuis nos studios à Queens, que nous pouvons justement faire un petit coup de pied dans la zone Queens pour nous rencontrer, pour nous ramener ensemble avec nous sur plateforme, non, notre collaborateur Gary Altidor, qui lui est du côté de Queens, New York. Belle émission préparée pour aujourd'hui, nous brancher, nous parler, nous allons commencer à monter, merci pour ça, encore une fois, partager live, non, parce que Téléimage va commencer exactement à 9h dans quelques minutes. N'est-ce pas? We shall start soon. All right, je suis là pour vous inviter encore une fois. Je suis Valerio Saint-Louis. Alors, Jerry Tardieu est l'invité d'aujourd'hui, donc c'est l'affiche que nous avons pour vous aujourd'hui, mais quand même, notre segment éducation financière est avec nous aussi, avec notre collaborateur, M. Jean Vernet, qui va parler finances ensemble avec nous, qui vient pour nous ranger crédit nous, segment ça n'a pas passé semaine passée, il y a deux fois, nous n'avons pas passé, ce n'est pas la faute de M. Jean Vernet, s'il vous plaît, il est toujours lui-même, toujours là, on time, mais Téléimage, il y a deux fois, nous avons des problèmes techniques, nous résoudions, fois ça, nous aurons donc M. Jean Vernet avec nous. Voilà, mission pas commencer. Oui, là, bon, dans exactement 3 minutes, on commence. I'm excited. Some people are already tuning in. Monté là. The regulars are here. C'est bien de vous voir sur nos pages Facebook, notamment, et aussi sur nos pages YouTube. C'est bien. Pour nous-mêmes, quand vous regardez sur page YouTube, là, pendant sur page YouTube, là, m'a toujours dit nous ça, m'a toujours invité nous. Abonnez, s'il vous plaît, abonnez sur page YouTube Téléimage. Hein. C'est une façon de vous inviter à faire partie de cette grande famille de Téléimage sur nos pages YouTube. Voilà, merci parce que nous faisons partie de la grande famille, ça. Merci pour ça, c'est important. Yes, it's important to be part of Téléimage. Allez, l'émission commence dans quelques minutes. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est ça que je me dis. Si vous voulez partager, oui, partager vos transmissions, partager live, là, partager live stream. Là. Please share the broadcast and the live stream. C'est ça, oui. Mon gars fait là qui dit, Valérie, je vais partager. Merci pour ça. On partage parce que aujourd'hui, à son émission intéressante. Oui, ça chauffe avec Jerry Tardieu. Déjà, avant que nous-mêmes commencions l'émission, tout à l'heure, comme ça, nous allons commencer dans peut-être une minute et quelques secondes. Eh bien, il y avait une certaine anticipation, un certain engouement pour écouter l'ancien député Jerry Tardieu, qui est aujourd'hui leader du mouvement En Avant. Il y a puis Nanou qui déjà été parlé pour nous tenter d'inviter. Hein? Oui, il y a Nanou qui t'a parlé, qui dit qu'il t'a fait commentaire sur page Facebook. Yo. Nous parlons de Jerry Tardieu qui est dans la diaspora, mais il est là. Il est bien et bien là avec nous et il est déjà en stand-by, en live depuis Port-au-Prince, Haïti. Il est notre invité d'aujourd'hui, c'est l'invité de ce magazine aujourd'hui. Et puis, tout ça, on a habitué à faire. On a toujours fait, oui. On a toujours vu saluer tout le monde qui a branché là, qui commençait déjà, le monde qui est sur Facebook, le monde qui est sur page YouTube, nous, qu'on a habitué, nous-mêmes, nous toujours aimer faire interaction, son interaction que nous toujours aimer faire ensemble avec vous, ou même qui prend le temps pour brancher Téléimage. Merci pour ça. On a pas invité à brancher. Et puis, s'il vous plaît, partagez live stream ça. Okay, ça commence dans quelques secondes. Okay, ready? Get ready, guys. We're going to start with our countdown. Countdown générique, et puis l'émission commence. Dans quelques secondes, Téléimage va commencer parce qu'on commence à l'heure. We got to be on time. On est toujours à l'heure, nous autres, à Téléimage. Gary est à son poste depuis Queens, New York. Notre invité, lui aussi, est là. Jerry Tardieu depuis Port-au-Prince, en Haïti. Et puis, notre collaborateur, Jean Vernet, pour une superbe émission aujourd'hui, encore une fois. Moi-même, c'est toujours un plaisir pour me rejoindre nous sur l'écran Internet nous, et puis nous-mêmes qui branchons la télévision. C'est toujours un grand plaisir pour me rejoindre nous fidèles à ce rendez-vous Téléimage, le meilleur rendez-vous télévisé sur Internet, sur les ondes de la télévision. Et puis pourquoi pas, tout partout qu'on est branché, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, Téléimage.
Here we go. We shall start. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Téléimage, Valerio Saint-Louis depuis New York, la capitale du monde. J'aime bien dire New York, la capitale du monde, parce que New York, c'est finalement la capitale de ce monde occidental. Bienvenue à tous, bienvenue amis internautes, nous tous qui branchés à travers le monde, un bel bonsoir pour nous tous, un bel bonjour pour nous tous, quel que soit côté nous y a, nous branchés, merci pour ça. Déjà, tout de go, merci à tout le monde qui branché, toute quantité de monde qui branché. Deux choses à signaler en débutant cette émission, puisqu'il est 9h, 9h précise, on commence à l'heure, évidemment 9h Eastern Time, 9h le New York, là. On commence d'abord par saluer tout internaute, yo, nous tous qui branchés. Mais aussi, on salue notre collaborateur, Gary Altidor, qui s'excuse et qui ne sera pas avec nous pour cette édition de live stream. Je dis à Gary, pas fin porté trop bien, c'est rien de grave. Mais il a préféré se reposer et nous pensons que le pitot le reposer parce que, évidemment, on est Gary toujours souriant, toujours jovial, toujours bien habillé, fin, copain, jeune galant. Et fois ça, et ben, fatigué après une très longue semaine de dur labeur, fatigué tout, il semble pas qu'on nécessite aller à un côté gens fatigués. En tout cas, il préfère se reposer et je l'ai conseillé. Je lui ai conseillé de se reposer aujourd'hui et de nous rejoindre la semaine prochaine pour une édition où il sera présent, en forme. En super forme. Mais il se porte bien, rassurez-vous, je connais Gampil, on ne lui pas l'inquiéter. Non, notre collaborateur, Gary Altidor, se porte bien, sauf que ce soir, il est très fatigué et il ne sera pas avec nous. Donc, il s'excuse auprès de l'auditoire et de tous les internautes qui sont déjà branchés ce soir. Nous là, Swear. Bonjour, bonsoir tout le monde. Beautiful. Nice seeing you guys. Eh bien, il semble que définitivement, c'est sur cette page que nous allons faire nos live streams désormais. Parce que là déjà, Fom dit nous que nous constatons un petit problème technique qui éventuellement n'a pas essayé de résoudre. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit, le problème technique? C'est tout simple, mais ça ne dérange pas du tout puisque je vois déjà Astrid Walsh qui est là. Bonsoir Astrid. Astrid est saying, feel better Gary. Bonsoir, Kenzie Paul, Téléimage, Yoli Blin, tout le beau monde est là. Linda Jean-Baptiste, tout Linda est là. Hi, tout Linda. Nice seeing you. And everybody's here. Of course, we have a prominent guest tonight. Beautiful. The audience is here. I like that. So that means we should do the live on our page now. Instead of doing it on Valerio Saint-Louis, we should do it on Téléimage. Parce que justement, c'est ce problème technique dont je voulais parler. Je veux mentionner ça. Et m'a regardé moi qui j'en carizoune, baron pour qui ça. Mais on a remarqué que ce soir, la page Valerio Saint-Louis, page que nous habitués à faire live, là, j'ai l'impression que pour qui ça, oui. Eh bien, l'y bloqué tout simplement, à ce nous pas qu'à faire live sous lui. Mais heureusement, nous avons une page Téléimage, là. Ah oui, heureusement que ce page Téléimage, là, toujours dans Facebook, vous êtes déjà là, en quantité, bien branché. Je pense que pour page Valerio Saint-Louis, hein, Fom honnête, c'est peut-être parce que hier nous t'ai gain un live stream que nous t'ai fait et live stream ça t'ai gain peut-être aux musique que nous t'ai passé gon affaire de copyright avec Facebook, c'est très sérieux. Facebook pour affaire copyright droit d'auteur là très au sérieux et me pensais que hier peut-être que t'ai gain copyright là qui peut-être t'ai dérangé. En tout cas pour assurer
pour édition ça, nous pas avec vous sous page Valérie Saint-Louis, mais ça ne dérange nullement parce que nous sont quantité monde qui est là, nous casser rendez-vous avec Jerry Tardieu, émission pour belle à ce là. Merci déjà, vous êtes déjà bien branché. Eh bien, nous pour commencer, je répète encore une fois pour ceux là qui peut-être viennent de se brancher, bon salut de tout le monde. La première personne à saluer, c'est la première dame de cette page de Facebook. Je l'appelle la première dame parce que sur Facebook, là, c'est lui-même qui est première dame. Madame Jaffna Larose. Bonsoir, Madame Jaffna Larose. Bonsoir, tout le monde qui branche yo. Et puis, sur page, oui, YouTube, là, tout, nous, là. Page YouTube, yo, correct. Techniquement, nous arrivons à faire live stream. The live stream is going on now on our YouTube page and our page on Facebook, Téléimage. For some reasons, we're not able to broadcast to live stream on Valerio Saint-Louis page, which is fine with us. Ok. Bonsoir tout le monde. Laissez-moi saluer ce beau public. Encore une fois, Gary s'excuse. Il n'est pas là avec nous ce soir. Bonsoir Martine Baudouin. Bonsoir. Jean-Rosie Charmelis. Sophia and Porsche. Ladies. Bonsoir. Madame Saint-Louis. Gary Saint-Louis. Bonsoir tout le beau monde de Téléimage. Bonsoir Madame Gary Saint-Louis que j'ai plaisir à saluer. Where is Gary? Where are you, Gary? Gary a demandé pour vous. Gary se repose ce soir. Il est fatigué, vraiment fatigué. Maxi Jean, bonsoir. Maxi Jean from Spring Valley, New York. Charlendi, Charleska. Ok, nous très bien. Sony Gautissier. Ligny Nazaire. Bonsoir tout le monde. On a salué tout le monde, enfin, le plus de monde que possible. Oui, évidemment, Astrid, il y a un problème sur la page Facebook de Valerio Saint-Louis. Il y a un problème, on a remarqué ça. Mais je pense que rapidement, vous tous êtes déjà là. Parce que page Téléimage en lui-même, c'est ça net. Yes, indeed, there is a problem on our Facebook page, Valerio Saint-Louis. But it's okay, we're all here. Bonsoir, Marquesi Pierre. Bonsoir, Monsieur Charles Antoine Forbin. Chachou, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh, it's beautiful to see everybody. OK, Boutus, bonsoir, Napton. C'est pas vrai. Moi, pire, mon Captain. Luce Duvier là. Luce is here. Hello, Luce. How are you? Luce is now in a new star, right, Luce? Yes, feel better, Gary. Gary, I'm sure you're watching. They're really asking you to feel better. Bonsoir, Rose Rigaud, Madame Rose Rigaud, Margaret Schutt et tous les autres. Donc, mettez, dis-nous ça déjà, partagez live là, invitez-en là. Il y a un stand-by en aller, puisqu'on a une émission intéressante, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas trop de temps à souhaiter. Ce sera le temps juste d'avoir notre invité et aussi notre segment. Nous avons un segment nous avec M. Jean Vernet, un segment sur l'éducation financière. Voilà. Et puis voilà, c'est parti tout le monde. World War 3, you there. C'est toujours sous page ça, ou même ou toujours regarder nous. Donc, assurez à tout le monde qui nous sous page ça. Vous et link là tout le monde, puis vous virez sous page ça, parce que page Valerio Saint-Louis encore une fois, pour le monde qui peut-être remarqué ça, un petit problème technique, n'a pas essayé de résoudre. Il semble que, pour quelque soit raison, par contre, si c'est dit ou dit, Facebook bloqué par ça, monsieur ça a parlé trop politique, monsieur ça a pas problème. C'est pas grave, chance pour nous, nous avons un backup, nous avons page Téléimage hein, qui a frappé ensemble avec nous. Miguel César, bonsoir. Allez, on salue les sponsors de ces émissions. Grâce à sponsor, émission ça, à capé jam. Merci à tous les sponsors. This edition of Téléimage is brought to you by Cola Choukoun, the real Haitian cola with Haitian flavor. Cola Choukoun. Also brought to you by Madelange Lawash Bridal Design Studios. For all your bridal needs, custom wedding gown, fashion wear from Madelange Lawash, Madelange Lawash Bridal Design Studios, 8015 Old York Road in Elkins Park in Pennsylvania. Telephone 814-588-3113. Brought to you by Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by Bo Cafe, best Caribbean cafe and food. Bo Cafe, 557 Grove Street in Irvington, New Jersey. Telephone 973-399-1699. Also brought to you by Belimage Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing, and graphic designs, Belimage International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp.
Belle Image Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio St. Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio St. Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by Barbara'sPerfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. Barbara'sPerfume.com. Located at 1925 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into Barbara'sPerfume.com. Click, shop, and buy. We ship all over the U.S. Barbara'sPerfume.com. 516-805-2318. And now, going back to our live stream. Did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moyes. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved with the community, and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you, and we offer the lowest prices in town. Nous parlons Creole, nous parlons Français, et nous parlons Espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old and all the way up to seniors. We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info, call the number below. Be heard, be helped, be healthy. My name is Judge Dwayne Esther Paul. Juge Dwayne Esther Paul, c'est une petite lacaille, une sœur haïtienne qui a participé dans l'élection pour Kings County Surrogate Court Judge dans le deuxième district, là, dans Brooklyn, New York. Juge Dwayne Esther Paul fut la première haïtienne américaine à avoir été élue comme juge à la cour civile de la ville de New York. She's running again because she wants to focus on family legacies and preserving generational wealth. Judge Dwayne Esther Paul, non seulement li c'est un petit haïtien, mais li chargé avec expérience. She was civil court judge in Kings County, family court, acting Supreme Court justice in Queens County, circuit court as law clerk in Baltimore City, criminal court as judicial intern in Queens County. Jou kap mardi 22 juin ça, toute communauté haïtienne en Brooklyn supposé lever bonheur pour y aller voter pour juge Dwayne Esther Paul. Invitez famille nous, toutes amis nous haïtiens ou étrangers pour aller voter en foule you haïtienne américaine juge Dwayne Esther Paul. Dwayne Esther Paul is a judge with integrity, compassion, fairness, and with lots of experience. Let us all vote on the primary elections on Tuesday, June 22nd, 2021, for Judge Dwayne Esther Paul as Kings County Surrogate Court Judge. Fanovia.com,
That's the new place where you'll find the greatest deals, the best prices on everything you can think of. Log on to Fanovia.com and you will be shocked to see the deals you can get. But yes, Fanovia.com is the place to shop and save big on everything. Haïtiens à travers le monde, ça son bon bagay pour nous. Quel que soit son temps aimé acheter à bon prix, prix PI, prix discount, ou à joindre Lila sous site internet ça, Fanovia.com. Fanovia.com, tout bagay, toute qualité, tout gros macro. Pour prix qu'on pas joindre l'autre côté. Fanovia.com, website ça tout nom Amazon pour tout haïtien. Visitez-le et puis vous comprendre. Fanovia.com, moi joindre tout dernier cri téléphone, dernière technologie. Protection caisse pour toute qualité téléphone. Produit pour cheveux, produit de beauté. Rad designer brand. Belle montre gros macro. Tout produit fashion, designer clothes, appliance électroménager. Là, dans Fanovia.com. Depuis qu'on n'y a pas perdu du temps, allez sur internet, dans téléphone, sous laptop, dans ordinateur, dans iPad ou quel que soit côté y a. Achetez, sauvez pour prix PI dans Fanovia.com. Oui, Fanovia.com, Fanovia.com, the best place to find what you need for the best price. Mercedes Narcisse for City Council, District 46 in Brooklyn, New York. Jou mardi 22 juin sa, tout Haïtien qui rete Brooklyn nan quartier Bergen Beach, Canal Sea, Flatland, Georgetown, Garrison Beach, Marine Park, Milbeson, Mill Island at Shipset Bay, nous tout nous pral vote Mercedes Narcisse pour représenter nous valablement comme New York City Councilwoman. Mercedes Narcisse, a mother, registered nurse, businesswoman, longtime resident of Brooklyn. She's ready to fight for you and be your voice in the New York City Council District 46. Tous les Haïtiens de Brooklyn et d'ailleurs reconnaissent déjà le dynamisme et le leadership de Mercedes Narcisse, cette femme d'Haïti originaire de Saint-Marc qui se bat depuis des années pour sa communauté. Votez, supportez, potez coller, bail donation pour Mercedes Narcisse for NYC City Council. Visitez bureau dans 9203 Flatland Avenue dans Brooklyn. Visitez le sous page de mercedesfornyc.com. Rélez-le dans 347-455-2119. 347-455-2119. Seul coup clé bon nan nan jumadi 22 juin ça, nous toutes nous pral voter Mercedes Narcisse for New York City Council District 46. L'huile mascretti créole là 100% naturel. Bon Jean produit local. Chevaux souples plus belles et longues. Ah, l'huile mascretti créole. Qui ça te cheve pas cassé encore. L'huile mascretti créole. Ou fatigué quand on fait mal checké. L'huile mascretti créole. Original produit local. C'est tout quoi, pas paniqué ou pas le pousser cheveux. Fais cheveux au jam, fais bien pousser produit local lié. Fatigue à tracasser ou douleur à déranger. Pas gain des secrets, servi à l'huile mascretti créole là. Cheveux souples plus belles et longues. Ah, l'huile mascretti créole. Qui ça fait cheveux pas casser encore. L'huile mascretti créole. Ou fatigué quand on fait mal checké. L'huile mascretti créole. Original produit local. Mascretti créole la distribué USA 305-988-6769. Mandez l'huile mascretti créole la 100% naturel. Bon Jean produit local la. En ce plus beau jour de votre vie, madame, vous serez la plus belle des femmes grâce à Madelange Laroche Bridal Design Studio. Madelange Laroche, fashion designer de haute couture internationale, est prête à concevoir votre robe de mariage cousue sur mesure pour vous et seulement pour vous. At Madelange Laroche Bridal Design Studio, we offer a variety of services to meet all of your bridal needs, from custom wedding gown design to even gown cleaning. Toute belle rade mariage ça yo faite sur mesure spécialement pour et c'est au même seul qu'ap gen coup de ciseau, coup de design ça nan rad mariage ou parce que c'est Madelange Laroche, yon gros designer international qu'ap coup de li pou ou. Te pi koun ya la, rele pou pren yon rendez-vous dans 814-588-3113. Book your appointment now for your custom bridal gown, ready to wear gown, alterations, bridesmaids, flower girl gowns and dresses, mother of the bride, mother of the groom dresses, tuxedo rental, bridal accessories. Call now Madelange Laroche Bridal Design Studio, 814-588-3113. Designer international, Madelange Laroche a habillé toute bridal party. Sauti sur les mariés, les parents, la marraine, rivé sous garçon et fille d'honneur. Et ou même qui besoin yon belle rate de sortie, un rate de gala et de grand événement, contactez Madelange Laroche dans 814-588-3113. Madelange Laroche Bridal Studios sont situés au 95 Old York Road, Elkins Park, PA. Madelange Laroche sur internet au www.madelangecouture.com. Ou encore tout simplement, appelez au 814-588-3113. La marque Madelange Laroche s'associe à la classe, l'élégance, le luxe, la beauté
et l'intemporel. Alors, madame, soyez belle en ce plus beau jour de votre vie en portant la marque Madelange Laroche. Parfumerie de Barbara, disposée et disponible, va vous permettre déjà de commencer à magasiner, puisque la fête des mères, c'est pour bientôt. Très bientôt, déjà la semaine à venir, la semaine prochaine déjà. La première, enfin, c'est première et tranche des fêtes des mères. Nous-mêmes haïtiens, nous fêtons doublement les mamans. Fête des mères américaines ou fête des mères haïtiennes, c'est quand même la fête des mères. Donc la parfumerie de Barbara est déjà disposée. Barbara a déjà préparé un kit gift basket. Je les ai avec moi, des photos et des images de ces paniers cadeaux que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors déjà, bon Dieu, quel engouement pour... Jerry Tardieu est en train de cartonner ce soir. L'invité est avec nous en stand-by. Oui, Luxon, bonsoir Luxon. Content de voir Luxon. Luxon, m'a dit vous député a pété plafond à soir. C'est une première. 2400 monde déjà branché pour Jerry Tardieu. Alors... Et font-y patience, moi, s'il vous plaît, parce que nous avons aussi des commanditaires. La Parfumerie de Barbara, c'est Younayo, le plus gros sponsor, d'ailleurs, de cette émission, qui permettent que nous-mêmes, pour Fête des Mères, ça, on a besoin de très beaux paniers cadeaux à la Parfumerie de Barbara pour nos fruits by Maman. C'est la Fête des Mères, s'il vous plaît, pas oublier Maman, supporter sponsor qui eux-mêmes a supporté Téléimage. Et puis, nous avons aussi notre collaborateur, nous avons section, nous avons segment, du moins, ce qui pourrait permettre ou contre qui gens pour ranger financement, ou gens pour nous garder techniquement qui gens, ça y est. Avec l'autre page, nous, et en même temps, tout pour nous et faire cet plan avec invité nous qui est déjà branché, qui est déjà là, ensemble avec nous. Le segment avec Jean Vernet, nous allons parler finance, éducation financière, très important. Suivez le segment ça avec un pile attention, s'il vous plaît. Ça fait partie de l'émission de Téléimage. Nous sommes là pour vous informer, vous former et aussi vous divertir. Monsieur Jean Vernet qui nous rejoint dans son segment. Is bad credit holding you back from the life you've always dreamed of? Were you denied for that apartment, loan, or car you've always wanted again? Now more than ever before, it's important that you make repairing your credit a priority. And we're here to help. Call Progressive Credit Repair today to get the credit you deserve. We've adapted our online portal to service you quickly, conveniently, and remotely. Call us today at 516-554-0540 and get the credit you deserve. Bonsoir Jean Vernet encore pour éducation financière et Téléimage. Bonsoir Valério, bonsoir Gary Altidor. Je dis à nous voulons répondre à une question parce que nous avons deux histoires et nous avons deux semaines nous battons l'air. Semaine dernière, nous n'avons pas répondu à une question. Donc, nous avons quelques questions que nous voulons adresser. Donc, pour mieux aller, nous avons un ami qui était avec nous qui était dit nous que mon bagage que moi été payé déjà et même moi que li toujours sous credit report point kakou que moi doué li et ça me capable faire bon gagne deux bagages. Premièrement, est-ce que et dette côté guerre li te gagne dans collection? S'il te gagne dans collection, même sous payé l'a toujours paraître que li était allé dans collection et ça a prêté dans crédit pendant 7 ans à moins que ou grand monde qui travaille avec ou pour essayer éliminer. OK, me dit essayer. Parce que nous-mêmes dans Progressive Credit Repair, nous pas fait fausse promesse. Nous pas dire que nous capable font bagarre s'il pas capable faire. Nous capable essayer, il y a plusieurs stratégies, mais ça ne doit pas marcher tout. Donc en nous clair, c'est pas une garantie dans le business. Au monde qui boit garantie, pas occupé. OK? Donc leur payer un bagarre
si bagay la te deja nan yon situasyon kritik, kan kou li te gen 30 jou de retard, 30 jou de retard yon reporte ke ou fon late payment, ou bien 90 jou, ou bien yon gen tan vanni an collection agency. Le sa, li difisil pou retire nan credit report. Li pa imposib nou? Li pa imposib, men li difisil. Pou ki sa? Paske, se pa selman moun ki te bo det la kan ko mesiz kon ya akodwe, men ou gen lot moun ki la don. Paske ou gen tan di, ajansyo, ke ou gen 30 jou kote an retard. Sa ke fe li important, si ou gen yon problem ou ou pa kab peye yon kart, rele moun yo di yo sa. Le chanson, au moins une fois par an, il y a pas de nous sur en retard. Il y a pas même charge au lit fia. OK? Donc ça arrive moi-même, moi qu'on oublier. On oublier payer carte moi. OK? Ça arrive. Donc ou relé automatiquement qu'on son jour relé et puis il y a dit pas de problème si ça pas arrive trop souvent. Une fois par an, il y a pas de nous. Maintenant ça qui est important, c'est faire un petit horaire, mettez-le dans téléphone, mettez-le dans mur, écrivez-le. OK? Qu'on soit connait qui l'heure où supposé payer carte là. Si vous supposez payer le 5, payez le depuis le 3. Même si c'est minimum d'un seul mois, vous voyez le 3. Si vous êtes capable de payer avant le 10$, 20$, 30$, 15$, ça vous capable. Ok? Ça est important. Donc, l'important, c'est pas quitter que bagay la gen 30 jours que la route. Depuis que vous avez 30 jours en route, vous avez un bail crédit bureau. Ok? Le ça, c'est avec pour parler pour nous, ça ne va pas faire pour. Ok? Donc, c'est pas parce qu'on paye une dette qu'il dit que le pape sous rapport et crédit report toujours. Ok? Et gagner un monde qui te demande moi qui ça qui ont secured credit card parce que gros monde qui dit que si vous fait on secure a credit card ou capable et créer améliorer crédit. Oui, on secure credit card c'est que vous déposez comme dans une banque ou bien credit union et vous demandez pour un bon carte de crédit qui gagne même limite avec quoi vous déposez. Donc, vous avez dépensé $1,000, vous avez dit, OK, d'abord $1,000. Vous avez d'abord 1,500, oui. Mais l'important, c'est que, dépense ou fait qu'on y a si grand problème, vous avez un cob pas ou dans le même déjà, vous avez pris un cob là. Donc, ça fait un secure credit card. C'est quand vous avez le fond loan, vous avez un asset. So, loan a gagné une protection sur lui, vous avez gagné une sécurité. Sécurité, c'est quoi qu'on dépose avec toi. Okay? Donc, ça permet que facilement qu'on y a là, y a bon crédit avec plus de garantie parce que Kobua n'a pas. En plus, le monde fait ça parce que c'est une bonne façon pour commencer à créer un bon crédit pour faire. Si vous êtes capable, par exemple, de mettre $5,000 dans Secure Credit Card, y a droit à bon carte de crédit pour $7,500, $8,000 ou bien $6,000, qu'est-ce que ça lié. Pas oublier l'important, c'est que si c'est 30%. Donc, si par exemple, vous mettez et $1,000, vous avez $1,000 de crédit, limite là, c'est $300. Vous êtes supposé dépenser. Il y a une balance sous 4 ça. Si vous dépassez $300, ça peut être que vous abusez 4 là, ça va avoir un effet négatif sous crédit. L'autre bagage n'a pas oublié, même si vous avez un compte à la banque, vous ne voulez pas que vous avez comme ça. Vous voulez payer chaque mois pour établir, ça aurait été a good payment pattern, qu'on paye chaque mois, ou paye avant l'heure, ou paye au moins minimum, non? Ok? Préférablement paye avant l'heure, et on paye un petit casse plus que minimum, non? Si minimum, non, c'est $25, ou qu'on paye $30, ça bon. Si minimum, non, c'est $250, ou qu'on paye $300, ça bon tout. Même si $250, vous voyez seulement $5 en plus, $255, ça bon. Ok? Donc, l'important pour capable, et fait, bah, ça, pour capable comprendre que, en général, et là où fait secure credit card là, ça va vous dire, vous pouvez le dire, vous comme la banque, et bien apprendre. Non. Parce que seul raison que vous pouvez le prendre, c'est le pas payer. Et vous voulez payer à l'heure. Ok? So, ça, ça est important. Maintenant, mon ami Florida qui demande moi, et moi, recevoir un pile offre pour carte de crédit, mais pas qu'on est qui ça pour le faire. Et bon, c'est un client. Et ça qui passe noté et délit à améliorer le crédit. Li. Kounya, the credit score is better. Ok? Donc, kounya, moun a profil carte. Bon, maintenant, ça qui passe. Si vous n'avez pas besoin de carte là, pas faire application. Parce que chaque application fait, li potentiellement pour le baisser et credit score pour qui ça?
parce que yo pral fè sa rele un hard inquiry. Un hard inquiry c'est une agence qui gagne cap bon crédit qui a demandé qui j'en crédit yé. Donc hard inquiries cap descend score you know 2 points. Donc là fait plusieurs ça crée problème. Donc sou pa besoin carte de crédit à pas prendre. Et même là ouais carte là dit pre approve. Ça pas veut dire qu'il a pas approuvé. Son façon pour cap appliquer. Gen moun sou nan Credit Karma par exemple et yo vann information by on say de moun ki fè marketing, yo vann information by des compagnies. Credit Karma par exemple presque chaque jour avec ou cap du ko qualifier pour tel cela, OK? Pour que ça parce que c'est de ça que yo vivent. Le ou applique pour carte là ou joine carte là, yo recevoir un bonus. Le ou vann information tout by moun nan, yo sorti comme pour ça. Donc il est important pour nous et pour nous comprendre que chaque offre de crédit qu'on accepte, digon potentiellement qu'on effet négatif parce que là où je prie à prouve pas lui dit que nécessairement à baou et à baou comme là. Donc et qui j'ont capable répondre à bagage ça franchement ou capable simplement ignorer ou pas obligé faire rien ou capable ignorer. Pour que ça c'est parce que à partir du moment qu'on engagé avec mon ça ou dit OK ben me reler pour me connaître ça qui passé. Yo pral poser question, yo doit mettre son chemin que ou pas de rêver. Donc ou pas besoin crédit ignorer. Maintenant et gen zanmi qui te relé moi qui te mandé mon autre question sur et low limit credit card. Je dis que li gon carte et l'italien nan call ou bien message. Non mais on n'a pas ça. Yo ba lon carte $500. Donc qui j'al ta kap fè pour li augmenter la limite dans carte ça. On carte $500 pas oublier, il vaut seulement $150. C'est seulement $150 qu'on cap charger sur lui parce que c'est seulement un tiers. Maintenant, qui est meilleure façon pour ta faire? Ou on carte $500, ou cap servir avec pas servir à $500 évidemment. Premièrement, deuxièmement, assure tout que ou payer, mais troisièmement, l'on fin payer lui après 6 mois, ils ont servi avec carte là ou aller ou acheter un parfum $100. Ou prend 3 mois payer. Ou fin payer li, fin payer kon ya, ou mande yo, ou tan 6 mois passé et puis ou mande yo pour augmentation de limite ou. Ou continue faire ça jusqu'à ce que ou rive dans limite qu'on besoin. C'est façon qui plus facile pour augmenter et limite ou sans que ou pas fait un dépôt quand ça te parler tout à l'heure dans Secure Credit Card. Bon. Et c'est question ça yo que nous te voulons répondre jodi a et nous t'a souhaité que vous continuez à poser nos questions parce que nous là pour nous informer, former, pour nous aider à créer un meilleur futur financier pour nous-mêmes avec famille. Parlez, pas oublier, relez-nous dans 516-554-0540. 516-554-0540. Nous sur Facebook, Progressive Credit Repair, et nous sur web là, c'est progressivecreditrepair.com. Merci beaucoup et salutations à l'équipe nous dans Outa qui fait que joindre nous. Bye bye. Is bad credit holding you back from the life you've always dreamed of? Were you denied for that apartment, loan, or car you've always wanted again? Now more than ever before, it's important that you make repairing your credit a priority. And we're here to help. Call Progressive Credit Repair today to get the credit you deserve. We've adapted our online portal to service you quickly, conveniently, and remotely. Call us today at 516-554-0540. M'a parlé une na plus bon agent connait dans New York là, c'est Valérie avec et Barbara, c'est une na plus bon agent et pour service au bala sur service 5 étoiles. On va venir ça de pas de côté. Et vraiment apprécier service et tout gens yo actif et puis yo même pour ça même tellement yo veulent bala plus que yo so vraiment apprécier ça son bal nous te compte faire longtemps bon nous jeune et nous aimer service dans tout et nous vraiment citer tout pour nous entrer dans calan. Nous besoin bon agent parce que une plus bon côté le besoin venir parce que et nous vraiment bah bon support nous bah vraiment tout nous-mêmes
et mes kounya rêve l'en réaliser. Monsieur Fom dit nous et m'a vraiment songé nous tout parce que c'est ton équipe quand même que nous t'ayez. L'homme relou m'a toujours demandé comment est la guito. Guito dit n'a prié n'a veillé. son bel bagage vraiment fun prier fun veillé mes amis. Et m'a songé petit phrase ça et m'a toujours songé au bon phrase ça tout. N'a prié n'a veillé. À moi aussi mais mon dernier moment soit dit moi avancer nous même cap communiquer toute journée toute la nuit. Guito fait jalousie dit qu'elle aime oublier lui-même. M'a oublier Guito tout mais quand même on connaît femme dit nous monsieur vraiment ça fait plaisir tout pour moi en tant que frère nous solidaires nous mettons ensemble. Et c'est ça que nous avons dit tout le monde qui a regardé là. Nous c'est trois frères qui mettent ensemble pour acheter caille ça. Son belle caille qui là dans Cambria Heights. Femme dit nous que son investissement nous fait là que nous pas perdu comme nous. Vous comprenez? Parce que caille qu'on y a là monté de temps à autre il a monté. So, comme nous serrer dans banque, c'est ça que le building wealth là. L'Amérique le monde venu aujourd'hui des American Dreams et eh bien voilà. Nous l'American Dreams là monsieur, nous fait commencer là. Vous comprenez? Moi même à Valérie, on a souhaité nous bonne chance. Et merci. Nous dit nous merci tout est-ce que nous t'ai choisi nous pour aider nous dans l'aventure ça. Parce que c'est une grande aventure que lié, c'est un gros commitment que lié acheter ton caille. Vous comprenez responsabilité nous que nous gagnons là. Donc on t'a souhaité que bon Dieu bénit caille ça. Bon Dieu bénit nous nous même toi en tant que famille pour nous toujours être unis. OK? C'est frère nous, pas quitter rien diviser nous, pas quitter monde venir diviser nous. Merci pour ce service là et Kembe là parce que c'est chose ça nous besoin dans la communauté haïtienne et haïtien qui travaille ensemble et pour service là où on nous là enfin mille merci pour participer et Kembe là et moi conseille n'importe monde qui t'a envie acheter caille Valéo Lima avec et Baba avec et Valéo c'est un best agent dans Brooklyn dans New York là même yo couvre tout New York là si nous besoin yo checker yo y a ba nos bon service. Même là, nous ne pouvons pas faire besoin de checker, il y a de nous chercher. Quand même. Il y a un bon travail. Nous avons cherché juste nous joindre. Nous avons tout le monde qui a venu. Parce que l'opportunité est là pour tout le monde et saisir pour saisir. Haïtien, haïtienne, l'ambi rassemblement en sonne tout partout dans le monde. Dans toute petite lio, tribobabo, chita ensemble. Sorti 15 pour arriver 19 juillet 2028. Organisation MPHC, Mendefi, HAUC, Kadi, ak en pilote organisation encore, a invité nous dans une grosse conférence internationale. Côté toute diaspora haïtien pral chita, pour nous former une organisation diaspora qui pourra représenter nous dans le pays nous Haïti. Tendez à quoi c'est deux? C'est pour yon dilon. Nous sommes là pour nous assister avec mes veilles. Nous pas quitter devant porte tourner des cailles. Nous c'est premier pays qui abolit l'esclavage. Nous c'est premier pays nèg qui bail indépendance. Dans tête ensemble, n'a pas changé pays nous. Pour plus d'informations, relais Mara Vilmé 347 204 1869, Judith Portier 813 416 2558 et Patrick Auguste 819 635 34 59. Diaspora haïtien sur toute planète Terre pour un changement réel pour pays d'Haïti, nous devons mettre menou et impliquer nous tout bon vrai. L'école n'en boucle là, monsieur, c'est ça m'fin mandé. Notre invité, our guest, is brought to you by Kola Shukun. And also brought to you by la parfumerie de Barbara, barbarasperfume.com. Merci à vous autres internautes et amis téléspectateurs branchés Téléimage. À cette heure précise, nous sommes prêts à recevoir notre invité. L'invité de cette édition d'aujourd'hui, invité spécial, c'est M. Jerry Tardieu, un ami, un grand ami de la diaspora.
Jerry Tardieu est avec nous depuis Port-au-Prince, Haïti, là où il est. On le voit sur l'écran. Alors Jerry, il faut dire que c'est un ami, je viens de dire, un ami aussi personnel. Donc l'interview sera un petit peu informelle et très formelle aussi, puisqu'il s'agit d'un homme d'État. Maintenant, faisons maintenant la présentation de cet invité que j'ai avec moi. Ce que j'ai sur Jerry Tardieu, selon mes recherches, on trouve que M. Jerry Tardieu était président de l'ancienne association des diplômés de l'université Harvard d'Haïti, ancien vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, ancien président du Conseil pour le développement économique et social. Jerry Tardieu est un auteur, un entrepreneur, chef d'entreprise, activiste communautaire fortement impliqué dans la vie économique, sociale, académique et politique de son cher pays. Au cours des années 2000, en tant que président du CCIH, Jerry Tardieu a représenté le secteur privé dans de nombreuses missions variées réunissant des décideurs publics et privés. Outre ses activités dans le domaine des affaires, Jerry Tardieu s'implique dans sa communauté. CAP, Collectif Habitons Pétionville, une structure de la société civile engagée dans le développement communautaire de la commune de Pétionville. Il est un conférencier. Dans plusieurs universités en Haïti, on le retrouve en parlant aux jeunes, surtout les jeunes. Et aussi à l'étranger. Il débat de plusieurs sujets d'intérêt et a publié plusieurs livres. En 2006, il a publié « Haïti, l'avenir en face », un essai réussi. En 2014, « Investir et investir en Haïti », un acte de foi. Et en 2009, grâce à connaissance des enjeux liés au développement et à la modernisation, Jerry Tardieu a été sélectionné comme membre de la commission présidentielle avec un mandat pour formuler une proposition de modification de la loi mère de la Constitution d'Haïti. Et c'est là pour moi sa plus grande contribution à son pays. Nous songeons député Noir, député Tardieu, député de Pétionville, Zami Diaspora, qui te prend bâton pèlerin, li vire ou dans diaspora, li vinouen nous, pour le parler avec nous, pour le demander nous ça ne penser sous changement de constitution. C'est de ça ne parle pas les jeunes aujourd'hui, en gros. Mais après présentation, ça va me saluer, invité. Hein. C'est un plaisir pour nous gagner Jerry Tardieu ensemble avec nous. Jerry, bienvenue. Merci. Et Valérie Saint-Louis, toujours un plaisir pour me battre bouche avec vous, avec tous les compatriotes qui vous trouvent dans New York et puis dans toute diaspora. Tout à fait. Je suis content, oui, parce que moi, je suis présenté comme un citoyen haïtien qui te prend bâton pèlerin ou viré ou on vient nous joindre là, vient parler ensemble avec nous. Nous songeons ça, Jerry. Et encore une fois, nous vous remercions pour ça. Nous avons travaillé ça sous question constitution. Nous allons parler de ça un petit peu plus tard. Mais ce n'est pas une faveur que nous avons fait, nous. C'est deux voies patriotiques. Mais nous avons travaillé sur la question de la Constitution pour mal voir les Haïtiens qui vivent dehors. Parce que dans tête pas nous, dans le cœur pas nous, pas gagner de Haïti, qu'on seul Haïti, sauf que les Haïtiens qui vivent en Haïti et gagner qui vivent dehors. C'était une deux voies patriotiques et c'est un plaisir pour nous d'intégrer la diaspora dans le travail que nous avons fait dans le Parlement. Très bien, Jerry. Nous pouvons retourner sur ça. En fait, une présentation d'un nouveau projet, par contre, qui s'allie vraiment. Et parce que je pose des questions aussi pour ceux-là qui regardent. Il y a des gens qui voient et un petit peu partout, ou Frasa, ou un peu partout sur le territoire national, là, mais avec un mouvement, qui est le mouvement, mais dis-nous qui s'allie. C'est en avant. Haïti en avant, c'est quoi exactement? En avant, c'est un nouveau mouvement politique que nous montons pour nous capter le pays d'Haïti, un espace qui est le chef et chef maîtresse. Pour ne pas faire politique en l'autre gens. Malheureusement, en Haïti, je dis, il y a une crise multisectorielle, mais une crise de confiance. Et ou pas faire voisin en confiance, un client pas faire la banque confiance, élève ou pas faire professeur en confiance. En fait, Haïti a traversé une crise côté que population pas faire président en confiance, il pas faire parlementaire en confiance. Donc, une crise de confiance, et c'est crise de confiance ça. Crise confiance, c'est lui-même qui est important pour nous craser et pour nous résoudre pendant 20, 30, 40, 50 prochaines années pour nous rebâtir Haïti. Et nous-mêmes, nous estimons que on demande de renouveau, on demande de neuf, on demande de l'autre discours, de l'autre leader, de l'autre idée. Et c'est pour ça que nous créons mouvement en avant. Et slogan, nous, et mouvement pour nous changer Haïti ensemble, ça veut dire que nous sommes un mouvement qui est ouvert et qui a ouvert demain pour l'accepter tout ça dans nous qui aimons Haïti et qui pourrait impliquer, à engager.
et pour changer pays parce que politique ces outils que ben nous pour nous prendre pouvoir et c'est avec pouvoir seulement que nous capables changer pays d'Haïti pour nous retirer dans Kachou Boumbe côté de retrouver journée aujourd'hui. Mais on est d'accord avec moi que il y a des monde qui gain perception et pendant regarder mouvement en avant que Jerry Tardieu est en pleine campagne électorale, bon pas élection mais quand même son campagne finalement pour certains monde qui a regardé. Bon, on a toujours joué un monde qui dit ça. Et même on dit deux bagages. D'abord, pas de campagne électorale, donc nous pas qu'en campagne. Deuxièmement, nous-mêmes nous croyons dans l'organisation, dans la structuration. Nous pas croyons dans un parti politique côté les deux trois leaders qui chita n'importe quoi, qui calonnent dans la radio ou bien sous médias sociaux. Ça fait nous-mêmes en pile plusieurs côtés dans tout le pays, c'est parce que dans 146 communes, nous avons projet, nous avons organigramme, nous avons chronogramme d'activité pour nous installer en coordination communale de tous côtés. Nous croyons en politique sous béton, nous croyons en politique souterrain. C'est ça qui fait que de temps en temps, nous regardons sur les médias sociaux, nous avons en avant, dans le sud, dans le nord, dans le NIP. Mais c'est simplement par souci pour nous organiser le mouvement de telle sorte que nous allons j'arrête dans tout pays à que le pari ton parti politique, un mouvement politique. Organisation seulement qui était dans la capitale là, mais qui gagne école dans tout le pays. Très bien. Et vous adressez à un secteur clé dans la vie pays, c'est les jeunes. Nous sommes très très proches ou en proximité avec la jeunesse là. Ou surtout à parler dans l'université, dans l'école, il y a un pile de jeunes qui d'ailleurs, on a regardé ou à virer dans le pays. Et c'est des jeunes surtout que nous, c'est objectif là, ça, c'est la jeunesse finalement, objectif. Et bien de façon très naturelle, parce que 70% pays a gagné moins que 30 ans. Et qui est-ce, Jodia, à chercher et yon côté pour guérir Bosco? Et ces jeunesses-là, qui est Jodia qui perd espoir? Qui est Jodia qui parle clair? Qui est Jodia qui manque modèle? Qui est Jodia qui n'a pas espace pour engager? Ces jeunesses-là. Donc de façon très naturelle, ces jeunesses-là qui ont un mouvement en avant. Faut me dire que nous avons plusieurs mouvements, nous avons plusieurs leaders en avant. En mouvement et leader ça yo c'est des leaders qui sorti en dans université université privée université publique et faut me dire que mouvement il pas seulement gagner des personnalités qui m'ont mis il gagne tout ça nous capable reler des organisations des regroupements des entités dont des organisations de jeunesse une plus gros organisation de jeunesse qui gagne dans pays a. Eh bien, lui-même est en avant. Et c'est Michel-Ange Régis qui représente. Donc, en fait, oui, la jeunesse, c'est un segment de la population qui est prioritaire. Mais ce n'est pas seulement la jeunesse. Nous voyons, j'ai gardé femmes en pile. 52% de la population, c'est femmes. Et malheureusement, femmes, ah oui. Nous ne sommes pas croyants. C'est potomiteur société. Nous avons gardé dans la dernière législature, il y a seulement 3 femmes députées, 79. Yon sénatrice sous 30, nous voulons changer tout bagay sa yo. C'est pour ça que vous apprenez que le mouvement gagne en pile femme là-dedans. Numéro 2 mouvement, c'est Nancy Vilse, qui est président de l'association femme dévouée Thomasin. Et bien entendu, troisième segment qui intéresse nous particulièrement, c'est la diaspora. Parce que, nous toujours dit, Valérie Saint-Louis, pas de développement pour Haïti, tout autant que nous pas joindre yon moyen pour que ça nan nous qui vivent 20, 30, 40 ans à l'étranger, envie de retourner la caillou. Envie de retourner pour investir la caillou. Pour investir dans l'école. Pour investir dans la formation. Pour investir dans le business. Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Nous songeons le livre ça que nous avons écrit en 2014 et que nous avons fait un grand plaisir pour recevoir, pour nous parler de lui, nous avons couvert d'ailleurs une signature que nous avons fait à New York. Là. C'est ce dont il s'agit. Investir et s'investir en Haïti. Et qui d'autre mieux que notre diaspora peut le faire? C'est lui qui a accumulé l'expérience. Il a accumulé professionnels, il a accumulé compétences. Et tout ça est mis ensemble. Nous avons souhaité qu'un jour, il soit capable de mener en Haïti pour aider le pays à progresser. Donc, c'est trois segments ça, qui sont des segments prioritaires pour le mouvement en avant. La jeunesse, les femmes et la diaspora. Ça veut dire que nous ne sommes pas intéressés dans toutes les catégories haïtiennes. Nous sommes intéressés dans l'entraîneur, dans le footballeur, dans le rappeur, dans le poète, dans le taximoto, dans le chauffeur bis, dans tout. Haïtiens qui composent mosaïque sociale haïtienne. Cependant, nous avons trois segments en particulier. C'est là nous plus chita, puisque plus fort dans le monde, c'est là nous sommes.
Et c'est ça qui pourrait faire que Haïti prenne en avant. Moi, mais non, en avant, ça déjà donne l'idée que nous avancé au moins. Nous avons pas en avant. En avant. Ou quand même très optimiste dans l'avenir de ce pays. Donc, ouais, dans l'avenir, et... bagaille pas bon, mais si l'aile fait pinois, elle fait joue, mais il faut mettre les mains à la pâte. Et il est très important que c'est jeudi pour nous commencer à construire base et nous pas doué quitter la situation haïtienne découragée parce que malheureusement, et ces situations que nous vivons, nous vivons de mal en pire, puis devant vivre, nous vivons mal. Si ce n'est pas depuis qu'on nous commençons à préparer la relève. Donc nous sommes très optimistes sur l'avenir et là nous disons que nous avons une posture avant-gardiste, nous avons une posture dynamique, nous avons une posture positive. Nous dit en avant parce que Capois la mort qui sont héros de l'indépendance qui inspirent nous les il t'a pas attaqué au Chambeau à la butte Charrier et bien il t'a pas attaqué Vertière en bas canon l'armée française cheval est tombé l'est levé et puis la main et puis il dit oublie en avant en avant et bien ce type de personnalité ça de personnage ça que dans mes bail jeunesse là comme modèle en jeunesse aujourd'hui qui perdu qui découragé qui angoissé qu'a vu la bérise. En avant, et nous lier, pas gain l'autre. Un mouvement pour nous changer Haïti ensemble. Il y a un livre qu'on écrit récemment, justement, côté que vous parlez de l'expérience en tant que député en dedans, Parlement haïtien. On te font brasser sous ça, puisque vous êtes ancien député qui servit comme une Pétionville-là, puis le monde Pétionville-Abgado-là, et puis le monde qui trouvait que vous avez un rapport très positif pour l'administration dans la ville, dans la commune, nous dit plutôt. Mais quand même, vous êtes d'accord avec moi que nos députés, nos sénateurs, enfin, c'est du n'importe qui, du n'importe quoi. Permettez-moi de parler comme ça. Et. Ou même tout décrit un petit peu dans le livre. Situation ça, est-ce que... Ben nous idée. Bon, plutôt ben nous idée que j'en dis. Parce que en pile corruption, nèg yo fait n'importe qui ça, nèg yo pas préparé vraiment pour yon nan poste ça. Et ou même ou trouvo nan mitan dans cette mer, dans cette marée. Heureusement que j'ai pas dit le mot, mais dans cette marée humaine. Situation difficile. Ben nous perspective Valé, de parlement. Le parlement haïtien est à l'image du pays. Comme la presse haïtienne est à l'image du pays, comme l'église haïtienne, comme le secteur privé haïtien, comme le secteur protestant haïtien, sont tous à l'image du pays. Son pays qui est en chute libre, son société qui est en crise, il y a une crise morale, son crise sociétale, son crise multiforme, mais c'est surtout une crise de valeur. Ça veut dire que le comportement qu'on a besoin dans le Parlement, c'est lié de tous côtés, alors que le Parlement a doué une institution de prestige. Et justement, dans le livre, dans l'affaire du Parlement, 4 années de combat et des idées, moi parler de problèmes d'image. En fait, problème, ce n'est pas tellement le Parlement comme institution qui l'a pour check and balance. Problème, c'est peut-être qualité parlementaire qui ne comprend pas responsabilité ou bien qui vient servir tête au lieu de venir servir pays. Qui j'en pour nous résoudre le problème ça? D'abord, c'est à la base. Son problème d'éducation. C'est pas seulement éducation civique, il faut qu'il y ait éducation morale, éducation démocratique qui fait tout. Depuis si moun nan piti, faut apprendre que si vous gagnez une opinion différente dans l'autre, moun nan pa la pour mourir pour ça. Capable de gagner des débats contradictoires. Capable enrichir tête ou de yon observation dont remarque qui pas nécessairement aller dans le sens où faut gagner tolérance. Donc depuis l'école faut apprendre tolérance, faut apprendre culture démocratique, faut nous expliquer comment démocratie a marché. Faut nous expliquer comment un système pluraliste parlementaire a marché pour qu'a commencer entrer dans tête nous depuis nous tout petit. Donc ça a son premier bagage. Deuxièmement, loi sous parti politique il faut le changer. Il y a plus que 250 partis politiques en Haïti. Au moins 240 là-dedans, il n'y a pas même de domicile connu, il n'y a pas même de siège social, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plus que 100 membres inscrits. Il faut qu'un parti politique capable de gagner au moins 100 000 personnes inscrits là-dedans pour prouver que son parti politique sérieux.
Et là, sont responsabilisés parti politique là. Et le papa a choisi n'importe qui est pour le voir comme candidat, député, sénateur, magistrat, kazek et azek. Parti politique pour un pile dans le niveau parlement que nous gagnons. Parce que yo même tout, même j'ai un pile entité dans la société, yo pas mon moral comme passe. C'est-à-dire que yo pas mon critère, une balise de valeur pour dire yo pral choisir un candidat s'il a capacité, compétence, expérience, intégrité, même j'ai ça fait dans toute démocratie qui a marché. Donc parti politique yo toujours un rôle extrêmement important dans faciliter que une série de monde qui pas ni compétence, ni expérience, ni moralité servir dans parlement. Ceci étant dit, gagner des députés de qualité, gagner des sénateurs de qualité, moi côtoyer yo souvent yo minoritaire, cependant gon majorité silencieuse k'ap subi et gen yon ti clic la dan yo ki ap utilize pouvoir yo pour faire sak pa sa et puis pour yo détruire prestige avec image parlement. Dans l'affaire du parlement c'est titre livre moyen, mais c'est pas un réquisitoire contre le parlement, au contraire, son invitation que me fait à nouvelle génération yo à sa nan nou ki pi capable yo pour investir le champ du pouvoir parlementaire, parce que moi crois dans parlement comme une entité qui pral bon équilibre des pouvoirs pour ne pas jamais tourner dans dictature encore, mais pour ban nou équilibre des pouvoirs et que le parlement ils sont force de proposition sérieuse et un outil qui capable vraiment contrôler le gouvernement, faut gagne moun sérieux qui servit la donne. Et pendant que tu es dans parlement, ou tu es responsable en commission ou te dirige en commission qui, j'aime te dit tout à l'heure en commencement entrevue, ou prend bâton pèlerin, ou tap viron à travers pays dans la diaspora, pour moyen pour chita parler avec différents couches dans la société, les forces vives de la nation, consulter quand même, ou te font proposition pour changer la constitution. Anvin, dans maman causé, c'est l'actualité du jour. La constitution d'Haïti, le référendum. D'abord, on commence pour Joe du but en blanc. Qui position vis-à-vis du référendum? Position claire, coup de l'ococ. Jovenel Moïse choisit 5 amis qui pour rédiger un texte constitutionnel. Ça n'a pas jamais dit nous qui expert consulter et à qui est-ce écrit. Il a dit nous y a fait une consultation et un référendum pour valider. Qui est-ce qui pourrait faire référendum? Il y a un conseil électoral qui monte dès de la loi, qui n'a pas assermenté, qui n'a pas prêté serment devant la Cour de cassation, et qui a gaspillé l'argent de l'État sans avoir un aval pour supérieur des comptes du contentieux administratif. Ce n'est pas normal. Là, nous mettons des questions là-devant. Nous connaissons ces 3 millions haïtiens et haïtiennes qui ont une carte électorale seulement, sur un corps électoral de 7 millions. Ils disent nous, j'en passe le passé. Voter avec passeport, licence, carte mathématique, quatre démalogues, j'ai l'impression qu'on même valait une sous-rentrée avec Green Card ou bien sous-rentrée avec quatre journalistes, il y a quitté ou participé dans le référendum. Ça. Donc, nous prenons les bagailles. Vous pensez ça? Nous prenons les bagailles, bouillie vide, bouillie mimi, et le processus n'est ni participatif, ni inclusif. Le comité 5 membres, ça, pas représenté secteur vie nationale. Ce n'est pas un ensemble de constituants qui était dans nos représentativités sectorielles, géographiques, et professionnel. Donc, quel que soit je prends le processus que Jovenel Moïse choisit pour mettre le comité consultatif indépendant à travailler sur une nouvelle constitution, son initiative qui engage lui-même seulement avec Zamil, mais jamais le peuple haïtien. Donc, ça, c'est sur la forme. Maintenant, sur le fond, nous pas d'accord tout, et nous allons rentrer sur les raisons qui font que nous pas d'accord. En pile disposition qui prend et qui va nous faire sauter parce que nous réaliser que dans pile piège là dedans. Premier piège là, c'est qu'il y a un système qui favorise un président monarque, un président roi, au détriment d'un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif reste avec. Deuxième piège là, c'est pour diaspora. Ah, parce que nous-mêmes, dans la commission que nous avons présidé dans la Chambre des députés, nous te prévoit que Haïtien qui a vu de yot est à voter dans l'élection générale. Malheureusement, il a retiré les Haïtiens vivant à l'étranger ou se bénéficiant de la double nationalité en qualité d'électeur dans leur pays de résidence.
Or, qui ça, Jovenel Moïse dit nous, c'est que vous pouvez permettre diaspora à voter seulement à travers une loi électorale. Or, une loi électorale, son bagage qui change, même j'ai même avant, nous changer chemise. Vous avez droit mettre l'an prochain, vous avez dit dans le tout autant. Directeur Dieu, là, on fait précision pour nous. Mais les téléspectateurs et internautes vont mieux comprendre. Parce que, en pile, nous avons gardé là, nous même dans la diaspora, comme je dis ça, le projet est arrivé sur nous, en pile, nous avons battu bravo pour lui, il y a nous qui dit, mes amis, finalement, la diaspora la donne. Ok, nous connaissons tout, il fait nous connaissons, et il semble que l'information arrive à nous, que nous sommes capables de voter. Précisez ça pour nous. Alors, la diaspora pas la donne vraie là, dans ce moment-là, dans ce abdi là. Nous avons compris plus bien. Parce que nous avons voté finalement si la constitution, ça référendum n'a pas celle. Nous sommes capables de voter. Oui ou non? Non. Ma répétée. Non, non et non. Pas de aucun côté. Ok. La constitution Jovenel Moïse voulait imposer nous que diaspora a une qualité d'électeur. Pas un article, pas une ligne qui parlait de ça. Donc, si c'est pour la constitution, ça. Diaspora a dehors. Naturellement, yo prend quelques recommandations que la commission nous a fait, notamment pour nous pas considérer deux à trois générations, pour nous considérer seulement un haïtien tout court. Longtemps, on a un haïtien d'origine, un haïtien tout court. Ça a eu aucun bill dans la recommandation que nous avons fait. Cependant, recommandation que nous avons fait, pour nous dire que faut nous mettre dans la constitution que diaspora doit voter, eh bien, malheureusement, yo retiré. Et ils font coup de mettre dame sur diaspora et font lire un gros livre avec ces livres fins pour nous comprendre ce que vous faites là. Et je vais répéter encore. Je vais utiliser moyen ça pour permettre mon interview ça. Pour moi dire, frère Maxime, cap vivre dans la diaspora. Moi-même, serviteur de Dieu, moi, je crois dans l'intégration diaspora. Moi-même, je bataille pour ça. Je même critique pour ça. Parce que moi, je crois. Que si nous pas impliqué dans question pays a pas bien pays. Eh bien moi-même moi dis nous que pas aucune disposition dans constitution ça qui va permettre nous voter. Et moi dis nous que si par hasard ou bien par chance yo ta mettil dans loi électorale élection qui bien pour le venir n'importe qui président, n'importe qui autorité, n'importe qui décide depuis devant capable retirer. Donc moi dis nous attention fait très attention pour ne pas prendre la ligne pour fromage. Il est un peu quand même étonnant pour un peu de monde qui a regardé là, qui connaît ou qui reconnaît tout comme Zami Diaspora, qui goumè ou se dit là, ou goumè pour ça, pour intégration diaspora. D'ailleurs, vous êtes président en commission pour faire des propositions sur le changement et constitution. Maintenant, ma question, c'est que proposition te fait, ou dit, vous prenez quelque part à la donne, proposition qui ça vous fait avec? Vous mettez dans le tiroir, est-ce que les propositions du député Jerry Tardieu à l'époque, ensemble avec tout le monde diaspora, yo, pour la diaspora, pour l'intégration de la diaspora, pour la diaspora vraiment la donne, il n'y a pas en dedans constitution ça, ça n'est que fait avec proposition ça. Mais merci, Valérie, pardon. Il y a une constitution, il y a une philosophie d'elle. Il y a une réforme constitutionnelle. Okay. Philosophie qui était des réformes, amendements que nous avons proposé, il était marié avec toi, Roche du Feu. Nous te vle, et yon relè les trois R. Responsabiliser le président, restructurer l'État et les institutions, rééquilibrer les pouvoirs. Ça veut dire responsabiliser le président parce que la constitution qu'il a rendu mineur. Ça veut dire que le président fait 5 ans, la coupe est rachée, et puis il dit qu'il n'a pas signé, il n'a pas cap géré, c'est pour les ministres. Là. Et puis sort de là, nous allons dire. Il a la cali levé et depuis dans l'air la prend 20 et puis il joue les mineurs. Donc nous même dans la commission nous devons changer ça parce que nous estimons qu'un président le premier d'entre nous doit être irréprochable. Tout fait ça pas ça faut passible des tribunaux communs. OK? Un. Deuxièmement rééquilibrer les pouvoirs, nous t'es conscient que tu as trop de pouvoir dans parlement. Constitution 1987 là qui était faite après une période historique de dictature, il était mettre trop de pouvoir dans le parlement et souvent parlementaire pas utiliser à bon escient. Donc, nous devons rééquilibrer les pouvoirs pour un système qui bien marche. Ça veut dire que le Parlement campé dans la prérogative pour légiférer, pour contrôler, il n'y a pas d'affaire à lever main, les gratifications pour les ministres, à négocier comme en bas, pour imposer tes amis, tes familles, dans le poste gouvernemental comme consul, comme diplomate, comme ministre, comme secrétaire d'État, et la trier.
c'était souci nous ça. Naturellement, troisième souci nous, c'était restructurer l'État et les institutions. Ça veut dire que Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le Conseil électoral, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, y ont ensemble d'institutions dans le pays là que nous tellement rien pour être capable de marcher bien. Qui ça nous ouais? Ça c'est philosophie qui t'a inspiré Commission Tardieu. Qui ça nous ouais dans philosophie qui inspiré Commission Jovenel Moïse là? Au lieu des 3 R comme je dis là, nous ouais les 3 D. Nous plutôt ouais c'est déséquilibrer les pouvoirs, c'est déstructurer l'État et c'est déresponsabiliser le président. D'abord, déresponsabiliser le président. Le bon fameux article 139 qui dit nous que avant et après son mandat, le président jouit d'une immunité totale, ainsi que ses ministres sont capables de question de l'impunité. Ça, c'est une. Là, nous dit tout, déstructurer l'État, il y a un près de deux institutions, le Parlement, il y aurait d'huile à Yonchan, un Parlement monocaméral, et il y a éliminé le Sénat. Pire, il n'y a pas permettre que l'Assemblée nationale là capable de légiférer sur tous les thèmes d'intérêt public. Elle dit, tout ça fait place pour mettre tout pouvoir dans mes présidents. Un point cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Son organe extrêmement important. Parce que c'est lui-même qui prend le veiller, ministre, dirigeant, politicien, politicien doit être long. Et mais il a quasiment réduit en peu de chagrin. Sous 9 membres, conseil ça, il y a 4 qui nommés par le président de la République, selon la constitution Jovenel Moïse là, et 5. Qui nommé par le président de l'Assemblée nationale, qui soit dit en passant, pour certainement sortir la même majorité qui mettait président au pouvoir. Ça veut dire pas de reddition de compte, pas de transparence. Et nous connaissons avec tout mouvement Petro-Challenger, c'est vraiment une demande sociale. Haïtiens ont besoin qu'on ait qui soit fait avec comme d'action. Donc, nous dit tout que c'est déséquilibrer les pouvoirs. Que de vouloir mettre tous les pouvoirs entre les mains du président roi, qui aura droit de vie et de mort sur tout le monde, sur un pays, il a retiré une série de articles qui étaient des garanties pour nous, articles qui étaient interdit l'exil, qui étaient dans la Constitution 1987 là, il a retiré, articles qui étaient interdits que Haïtiens besoin de visa pour remonter des sons, il a retiré, ça n'a nous qui vient il l'âge songer. Que sous Duvalier père et nous monter doué monter ou bien descendre pour un visa pour sortir ou bien pour entrer en Haïti. On va retourner là. Oui. Ah bon. Pas des bagages qui normal, ils voulaient retirer police nationale en bas ministère de la justice. Tout ça c'est des bagages qui ben nous qu'est sauté, tu gon article que tu mettais qui te protéger les biens, ça veut dire que l'on fait politique par exemple, on n'est pas gagné nationaliser bien pour question politique. C'est ton article qui était dans la constitution que ont retiré donc l'on analyse tout article que vous retirez dans la Constitution, on dit son cohérence parfaite pour vous mettre des articles et vous retirez d'autres pour vous faire un système qui prend le temps de carbone avec tout drap bien chaud, bon oreiller pour dictature Blahi dans le pays d'Haïti pendant les 50 et les 100 prochaines années. Et vous avez un bon piège pour nous éviter, d'un coup, piège, nous sommes pas les noirs. Il y a 10 diaspora, il y a fait le fil à langue pour dire lui intégrer son question de double nationalité, mais il n'y a pas metté que le bien doit voter dans l'élection dans la Constitution. Tout autant que il n'y a pas metté que diaspora doit voter en dans la Constitution, c'est laver main sur la terre, toutes ces bluffs, diaspora toujours et dehors, la perdue pour dire. Mes amis, c'est aller chez Ban pour tenter causer. Parce que là, quand même, on parle à quelqu'un qui dû aussi à travailler sur la Constitution, ou c'est mon. Qui t'a proposé loi, qui t'a travaillé dans la commission pour changer la constitution. Voilà que je vous dis, ou à pouvoir dire peut-être en pile de monde, surtout nous-mêmes dans la diaspora, qui tellement t'es engouement, qui tellement t'a battu bravo. D'ailleurs, pas plus tard que hier, madame Kirelem qui dit, dans la diaspora, mon passeport américain, je dis, je vais voter pour la constitution. Qui côté m'a fait, si 4 lap mal voter pour la constitution, sans constitution qui est bon pour nous, diaspora la donne, mes amis, double nationalité, n'a pas voter, mes amis, finalement, là maintenant, attends. Son le discours n'a pas entendu là. Son le bagaille net n'a pas entendu là. Bon, qui côté diaspora nan, parce que yo dit diaspora la donne. Quand même, dis-nous qui côté vous trouvez que diaspora la donne dans la constitution ça. Qui t'aime dire, Valérie? Yo dit dame ça, que le capable de voter dans le référendum tête en bas qui a organisé vraiment pour le bâtir en l'autre constitution.
Mais li pral vote en constitution. Oui, puisque... Oui, mais li pral vote en constitution côté que yo pas marqué que li doit voter dans l'élection qui vient après yo. Ça veut dire yo pral servir avec lui et puis yo invite le vin voter dans le référendum. Li pense la vin voter parce que le vote pour référendum, il pense le capable voter dans l'élection qui vient là. C'est pas vrai. Parce que yo dit que droit de vote des haïtiens vivant à l'étranger, c'est non loi électorale yo pral mettre. Or loi ça li pas existé, nous pas connaît ça gagne la donne et on nous dit que les a bien élection vraiment nous pour combien des conditions sécuritaires techniques logistiques et légales pour nous gagner en ça et bien qui est on nous dit que yo ta gagne yo ta mettre nous ta réussi font force et puis yo ta mettre yo ta ba nous loi ça pour diaspora maintenant 2 ans yo ka retirer dans 3 ans yo ka retirer son piège que lié et moi-même Valérie Saint-Louis moi pas seulement un ancien député qui travaille sous constitution me voulez compatriotes moi comprendre moi-même Jerry Tardieu moi son homme de compromis et de dialogue moi c'est un monde pondéré modéré qui a des amis tout côté et qui toujours mettait Haïti devant. Position ça que m'a prend c'est pas des positions politiques partisanes. C'est citoyens qui remet pays a qui comprennent question constitutionnelle yo qui ta remet pays a puis bien marché à 53 ans pas ni fin vide mais soutenir marché ta remet petite mais yo continuer vivre dans pays a et maman loi pays a extrêmement important parce que qu'est-ce qui a passé Valérie nous faut que nous bouquet fait mesdames. Comme disait le président Lessi François Maniga, il faut sincériser la politique. Sou dou remen diaspora comme ça. Fait même gens que nous te faire, mettons clause pour dire que yo capable voter dans prochaine élection. Pour que ça pour dire c'est non loi électorale pour qu'on est capable à n'importe quel moment. Ce n'est pas sérieux. Moi même moi dis nous c'est bon pour Mais Dieu, Dieu, est-ce que ça dit est-ce qu'on parle avec puisque c'est des haïtiens quand même, c'est des collaborateurs, des gens qu'on connaît, ils sont ensemble avec nous dans le pays. Est-ce qu'on parle avec ou dire ça? Est-ce qu'on parle pour nous pour dire, mes amis, pas fait diaspora, ça, mettez-vous dans la constitution. Soit dire, est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit commission ça? Et d'ailleurs, une autre question, en dans même question ça, ou moun koué ou t'as supposé dans la commission ça? Qui j'en fait pas invité ou vin dans la commission ça? Ou fait tout travail ça depuis combien d'années ou travail sous constitution? Qui j'en fait directeur Dieu pas en dans la commission ça? C'est étonnant. Pour le respect de la vérité, Jovenel Moïse te voyé yon conseiller le côté pour m'a dit est-ce que nous t'a prêt pour me participer non effort comme ça moi te dit que m'étais député m'étais président en commission moi te travaille selon ça la loi et même comme cadre réglementaire pour me changer constitution malheureusement Jean voulait faire là pas gain aucun monde de bonne volonté qui t'a avancé avec lui pour autant que processus là pas légal, ça qu'on a dans une nouvelle constitution, pas légal. Depuis le processus là, qu'on a terminé, pour avoir des problèmes, puis devant. Depuis... On dit que ça pas légal. Non, mais pas légal. Processus et changement de constitution, pour qu'il soit dit ça? Bon, parce que Jovenel Moïse nommé une commission qui va représenter le secteur financier. Qui travaille son texte sans pas dire nous avec qui expert il travaille texte ça et qui dit nous que on va valider là avec un référendum qui est-ce qui va organiser référendum là son conseil électoral qui monte derrière de la loi qui pas prêter serment qui partisan qui a dépensé comme l'état sans pas même y aval pour supérieur des comptes du contentieux administratif donc processus ça je comprends et on va plus loin là on dit nous qu'il a fait consultation en aval il va faire en amont. Je fais l'anaval. Nous-mêmes qui j'en défonctionné. En parenthèse, commission nous a fait un an de dialogue. Nous avons le secteur de tous côtés. Nous remettons un document sur la constitution. Nous avons 3 mois pour réfléchir. 3 mois après nous rencontrer. Nous chita, nous discuter. Nous prenons ça a été gagné à Jacoutio. Et puis nous prenons tout ingrédient ça de tout secteur de rencontrer. Et puis nous faisons une proposition d'abord. Nous-mêmes, nous faisons texte pour compte. Et puis nous disons à la machine dans 10 départements. Et puis, on va chercher validation ou bien on va faire des échanges. Bon, dis-nous comment ça passe, dernier côté, Jérémy Nagandas, côté qu'on va pas me dire. Il a
c'est pour ça que je raconte. Et mais, comité Jovenel Moïse arrivé dans matin, il était invité 13 communes, il était 10 représentants par commune, il était à peu près une centaine de monde dans l'hôtel dans la ville là. Et bien, il remet une nouvelle constitution, il est arrivé dans matin. C'est la première fois que il prend connaissance de dossier. Il a eu 2 heures de temps pour aller la nouvelle constitution et puis pour réagir. Or, 2 heures de temps, c'est 120 minutes, c'est 7200 secondes. Il y a 282 articles dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y a presque 24 secondes par article. Ce n'est pas sérieux. Son mascarade, son grimace, ou pas traiter question Constitution comme ça. Ce n'est pas comme ça me lever que me dit nous ça n'est pas bon pour Haïti. La menen dans trou, la menen dans chaos, la menen dans instabilité, la menen dans le pays. Quand on a levé un matin, il y a des gens qui reconnaissent une constitution, il y a des gens qui reconnaissent l'autre. C'est pour ça que nous lançons une opération stop référendum. Nous demandons des autorités pour les oreilles pas plus longues que tête. Je dis à pays a besoin de sérénité, le besoin de poser parce que nous avons passé dans un mauvais carrefour. 26 gens ont fait l'argent, le passage en force avec un référendum qui décrit autant pour mettre une plus loin démocratie que plus près. Plus loin stabilité que plus près. Nous remarquons au lancement mouvement vraiment où prend des c'est hier en fait pas plus tard pendant semaine ça nous voyons que au sorti une note disant que ou même ou carrément mandé justement pour y pas faire référendum là puis stopper processus aller vers un référendum. Nous remarquons ça et on souhaite expliquer tout pour qui ça bien entendu. Et moi remarque tout on remarque hein on nous clair nous pas venir tout ça parce que nous pas parler politique tout m'a fait remarquer rapidement. Vous parlez de référendum Jovenel Moïse, vous parlez de constitution Jovenel Moïse, vous parlez de comité Jovenel Moïse. Et vous m'avez dit, moi, je n'ai pas dit le président Jovenel Moïse. Ça, c'est politique, on fait politique, Jerry. Pour qui ça? Jovenel Moïse, mandat légal et constitutionnel est fini 7 février 2021. Donc, c'est un président de facto qui sous pouvoir, faut nous admettre ça. Maintenant, nous ne pouvons pas retourner sous tout. Discussion sur l'article 234.1 ou 234.2, la réalité, c'est que je dis, moi-même qui étais dans le qui travaille sur l'accord du 6 février, qui était un accord post-Michel Martelly, qui avait permis la transition et qui avait permis la poursuite du processus électoral. Donc, nous ne pouvons pas retourner sur ça. Il y a l'article 234.1, une dérogation là-dedans, c'est que les plus grandes autorités, les plus éminentes et les autorités experts en constitutionnalité nationale et étrangère se sont prononcées. Maintenant, la situation, c'est qu'il y a une situation de fait, comme son équipe pragmatique. Donc, il y a un président de facto qui est sous pouvoir. Eh bien, nous-mêmes, il faut nous prendre pour ça, l'IA. Et nous-mêmes, nous dit que, qu'on côté privé, il faut nous y rejoindre un accord patriotique historique, côté que sous table, toute force vive pays, tout acteur vie nationale, là, pour achita, pour nous décider sous 5 bagailles. Et c'est 5 points seulement qui parviennent au menu dans la table ronde pour nous capables de sortir pays à Nakachouboumbe côté le trouver là. 1. 5 points. Oui. 1. Le mandat du président Jovenel Moïse étant terminé le 7 février 2021, premier point pour discuter, c'est la date que M. a quitté le pouvoir. Parce qu'il est sous pouvoir illégalement depuis 7 février 2021, mandat fini. Donc, le mandat, la durée du mandat et la date du départ du président. Un. Deuxièmement, la mise en place d'un gouvernement qui inspire confiance avec des personnalités au-dessus de tout soupçon qui viendront servir le pays et pas se servir eux-mêmes. Avec à sa tête un premier ministre de compromis qui inspire confiance aussi, qui peut avoir la lourde responsabilité de nous ramener à la stabilité pour aller vers des élections le plus tôt que possible, dès que techniquement possible. Aller réévaluer le système des malheurs. Travailler avec tous les secteurs pour un autre CEP. Un CEP consensuel qui inspire confiance à tous les partis pour que lorsqu'on ait des élections, on ait une véritable compétition entre tous les grands partis politiques pour nous permettre haïtiens voter haïtien en Haïti et haïtien dans la diaspora. Et puis nous dit tout, cinquième point, hein, c'est un plan pour nous mettre l'ordre dans des ordres
faut bon plan pour nous rétablir un minimum de sécurité pour que nous capables faire pays à marcher et que nous capables prétendre aller vers des élections refondatrices pour repartir à zéro dans un pays côté toute institution écrasée l'une après l'autre. Un pays côté pagan. Vous proposez c'est un pays côté pagan. Ça faut proposer non certain dialogue. Nous comprenons un directeur du dialogue, mais maintenant je dis à la gain les grand pile monde qui en face pouvoir, on nous dit dans opposition. M'a tout poser question ça pendant m'a poser ça tout. Ou considérez on en opposition. Et deuxième volet, des moyens de dialogue toujours avec Jovenel Moïse, qu'on dit qui président de facto. Dialogue, ce n'est pas le mot. Comme il est occupé par l'IA illégalement, je pense qu'il y a des autorités morales qui sont capables de faire une médiation indirecte. Même Jean, ça a été fait en 1993 entre l'armée d'Haïti et le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide. On avait diplomatique, côté que gagne d'un côté le pouvoir de facto et de l'autre, ou bien un ensemble de partis, de mouvements et de regroupements politiques qui ont une position très très claire sur cinq points que nous disons là. Mandat Jovenel fini, faut quitter le pouvoir, faut nous faire l'autre gouvernement, faut nous mettre l'autre premier ministre, faut nous faire le système qui a démarré, faut nous faire le CEP, faut nous établir un climat de sécurité qui permet, dès que techniquement possible, pour nous capables de faire l'élection parce que nous sommes des démocrates convaincus et nous pensons l'élection. Pour rejoindre la démocratie que nous cherchons. Seul bagaille, nous c'est des patriotes, nous c'est des nationalistes, nous ne pouvons pas monter, nous ne pouvons pas faire élection pour élection. Je dis, après ma parole là, si le mouvement en avant après l'élection, il n'y a pas aucun candidat qui est capable de faire campagne dans Delma 2, dans Delma 6, dans la 3e circonscription, dans Balaville, 2e circonscription, dans Savien, dans Okaï, avec nous, tout bon l'autre côté. Que nous sentis qu'il y a une sécurité à taille mondiale, et côté gang a fait la police faire battre. Nous-mêmes nous disons ah oui. Que pour nous entendre, pour nous retirer le pays, c'est ça lié journée à jour. Ok, proposition ça, qui côté y arrive, est-ce que c'est juste là, pendant que nous parlons là, dans l'interview, ça va dire, est-ce que vous présentez, est-ce que la classe politique l'a embrassé, est-ce que le secteur privé à nous dit c'est aussi qui dit qui fait qu'on est que vous voulez actif dans la vie politique dans tout et l'international aussi ou soutien international vis-à-vis de ces propositions. Tenez, Valérie Saint-Louis, nous-mêmes nous parlons le langage de la vérité. Et l'homme des candidats il y a 5 ans, des bon slogan que les menti kaba. Nous-mêmes nous en avant nous décider faire politique autrement. Ça veut dire d'aimer parler le langage de la vérité. Ça me dit là, c'est la vérité la seule, l'unique. Tout le monde comme ça et pas qu'un autre gens pour nous sortir dans la crise là. Donc nous-mêmes nous mettons comme ça et nous pensons que c'est le seul moyen qui gagne, journée aujourd'hui, pour nous être capable, un temps soit peu, espérer que gagne une possibilité pour nous être sortis dans un délai limité. Pas de secret dans le fait qu'on a, pas de l'autre gens. Ça me dit là, tout le monde connaît, tout le monde d'accord avec elle, dans le monde qui a perdu le deal, mais nous-mêmes, en tant que responsables, faut nous dire et nous-mêmes, nous parler. Pour autant que son médiation qui va impliquer pour nous chita sur la même table avec des autorités de facto, nous pensons que si on avait diplomatique et que nous très très clair sur ça nous voulons comme position patriotique pour nous retirer le pays à la crise, nous ne parlons de 5 points, et bien nous pourrions assumer. Et puis pas penser tout que je suis capable de venir là et puis pour nous dire tout bagay tout, parce que je suis capable de dire, mais si vous voulez un bon scoop, c'est que tout ça que nous dire là, c'est ça qui fait l'objet de discussions entre tous les regroupements, les partis, les mouvements politiques. Et puis ça m'a dit là, tout presque sûr, même je ne connais pas pour rien, que le scénario, ça m'a dit là. Même l'autre n'est pas tout le monde qui dit, tout le monde d'accord. Donc on est en opposition finalement, directeur Dieu. C'était une envolée question, non? On fasse pouvoir là. Nous fait 4 ans comme président. Quasiment, ça a été en anglais, on a dit minority leader, je commence en 2015. Moi, j'ai 4 ans que moi, c'est un opposant à pouvoir Jovenel Moïse là. Moi, je n'ai pas gagné personnel contre Jovenel Moïse. Moi, tout simplement estimé que politique que la menée, son politique qui a mis Haïti dans le trou.
nous pas choisi opposé à Jovenel Moïse parce que parti politique m'a demandé ça. Nous était candidat et nous était élu sous bannière vérité et nous était démissionné de vérité. Les plateformes ont été éclatées, ont été fait deux bouts et un bout qui est dans le gouvernement. Nous était vlé en dans opposition parce que en dans parlement, nous pensait que fonte mené en opposition à Jean-Pierre t'a marché. C'est une nan moun qui était très actif contre le gouvernement Jacques Guy Lafontaine, qui est le premier ministre Jovenel Moïse, et non meilleur, qui mène nous le 6-7 juillet. Et nous avons première personnalité politique qui m'a dit M. Baïté à Blanche, Baïté démission, 6-7 juillet, pays à ça. Tout le monde en paix, c'est comme si rien va arriver. Haïti, c'est le seul pays qui a pays à feu, sans pas autorité qui démissionne. Eh bien, nous-mêmes, nous toujours fait face à la responsabilité. Nous. En avant, son mouvement politique qui, je dis, situé non logique d'opposition à politique piqué-collé, piqué-devant Jovenel Moïse pour la faire une constitution avec quelques amis, pour le faire un conseil électoral avec quelques amis, pour la faire une élection pâle pour mettre 6 amis au pouvoir, nous ne pas concevoir politique comme ça. Nous pensons que Haïti soit trois grands pays, même s'ils peuvent, pour nous penser que nous avons une démocratie au rabais. En nous jouer politique là, en jouer jouer démocratie là, c'est pour Jovenel Moïse comprendre que jeudi, c'est parce que le pape prend responsabilité là, qui fait que toute institution est écrasée. En janvier 2017, le Jovenel Moïse monté sous pouvoir. Constitution était d'application et gon directeur la police légale qui passait devant le Sénat et gon Banque nationale de crédit légale et gon BRH légale et gon Cour supérieure des comptes légale et gon Conseil supérieur du pouvoir judiciaire légal en pile dans institution pays yo t'a fonctionné bon gré malgré secteur privé a fonctionné. Si ma chaîne t'a dégagé le bout de l'eau faire bête, même si pas de gros comme, je dis à démonter, t'a élevé ou t'a l'école. Mais je dis à qui sont, ouais, toute institution est en dégât bas. Haïti son cadavre. PNH, AI, BNC, AI, Banque nationale de crédit, BRH, AI, Conseil CSPJ, bancal presque crasé, Cour cassation qui était légal normal, je dis à. Crasé, élève dans la rue, après des professeurs. Ça veut dire que c'est toute institution pays à net qui crasé. Nous-mêmes, comme un mouvement d'avant-garde, un mouvement de progressistes, un mouvement de patriotes, un mouvement d'haïtiens et d'haïtiennes conséquents, un mouvement qui revend l'autre Haïti, vous pensez que nous sommes capables d'avaliser et de cautionner Jean-Pierre Marché là? Jamais. Mm-hmm. Nous créons justement. Pour nous capables d'offrir une alternative à ça bien là, une alternative à la mauvaise gouvernance, la corruption, l'improvisation. C'est pour ça le mouvement en avant créé. Et nous avons souhaité un pile jeune, ou bien pile monde dans la diaspora, capitaine de nous là, rejoindre nous pour venir gonfler pour être avec nous, pour nous capables de changer Haïti ensemble pendant les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années. De notre côté, l'opposition politique, l'opposition, bon, il y a le gon l'aile qui dure dans l'opposition, l'opposition en général, on nous dit, c'est quand même une perception, c'est peut-être aussi quelque part une réalité. Il est un peu responsable tout de ça qui a passé dans le pays. L'opposition était obligée de l'or un pays, mettre un pays à genoux dans le pays de l'or clan, il a empêché le président de fonctionner, et le parlement lui-même, messieurs, il a pas voté loi pour justement le parlement pas craser, etc., etc. Autant de reproches qu'il a fait de l'autre côté. Du côté souvent, de l'opposition. Souvent, on est capable de justifier son opposition qui est plurielle. Ce n'est pas une opposition monolithique. Okay. Chaque là, il y a une pratique. Mais il ne faut pas jamais oublier que la responsabilité première de gérer le pays et d'assurer la sérénité et la stabilité, elle revient au président de la République, garant des institutions de par l'article 136 de la Constitution. Maintenant, si mouvement en avant créé, c'est que nous estimons que sous terrain politique là, pas vraiment gagné des mouvements mais des partis politiques qui matent non sens que jeunesse l'a retrouvé là-dedans.
dans le sens que yo crée un émoi, yo crée une ferveur populaire, yo crée une adhésion populaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous-mêmes nous montrons l'autre mouvement. Nous pas montrons un mouvement contre les autres forces de l'opposition, nous montrons un mouvement parce que nous voulons venir avec un nouveau bagage, un nouveau parti, nouveau leader, nouveau leader, nouveau discours. Nous t'arrêmons au free pays à un alternatif. Nous t'a vraiment aimé au free pays à alternative que le méritait. Et c'est pour ça que nous fait en avant. Donc nous-mêmes, comme dans tous les pays, il y a des oppositions, une opposition plurielle, en avant lui-même, il situe le non-créneau, le peut-être pour prendre position avec deux ou trois autres regroupements, que le sentil y a des affinités avec l'affaire, le pour prendre position pour contre l'affaire, mais son seul bagage que me garantit sur Valérie Saint-Louis. Toute position que le mouvement en avant prend, c'est des mouvements, c'est des décisions qui pourraient guider par le sens du bien commun, par l'amour de la patrie. Parce que c'est ça qui manque nous en Haïti. Nous manquons rien, mais pays assez. Moi comprendre que il y a un pile monde qui vit dans la pérèse, dans l'angoisse. Moi comprendre que il y a un pile jeune qui est obligé de quitter le pays. Si tout se mène ça dans la question de sécurité. Et pas rien, mais Haïti. C'est parce que Haïti vire de bayo. Donc nous même nous gagnons pour nous travailler pour un jour. Jeune ça qui fait choix pour y aller au Chili, au Mexique, en Argentine, Saint-Domingue, Bahamas, Miami, New York, New Jersey, La Trier, nous vers deux bois nous dire retourner, venir nous reconstruire pays nous. Nous allons mettre l'ordre dans les autres. Et nous même tout dans la diaspora, nous ta remet joindre nos pays, nous ta remet qu'on souffre dans affaire sécurité pour nous qu'à voyager retourner la caille nous. On avion, mon chita là-dedans, ils font photo. À peine si gen 4 moun la dan k ap antre en Haïti parce que tout moun gen la pèrèz yo pa ka lan peyi a. Mwen menm ta reme antre vin wè fanmi an Haïti, mais gen fanmi k pa bo isi nan la kou New York ki pè ki di bade yo s'il vous plaît pa lan Haïti. Donc on ne peut plus retourner chez soi finalement. On parle de insécurité. Directeur, qui jon perspective, qui jon wè sécurité en Haïti, gang yo an antre nan vraie question parce que là c'est les gangs, c'est bandi légal yo k ap dirije la kounya la. C'est le banditisme légalisé quelque part. Qui j'en veux et qui ça qu'on a dit nous même dans diaspora, pas qu'a dit pour rassurer nous non, mais ben nous idée de qui j'en ça est vrai. Qui ça m'a dit nous de plus que nous connaît. Nous voyons imagine, nous recouvrons la situation et nous tendez, président République Dominicaine n'a parlé de la somalisation d'Haïti. Nous pas besoin de dire encore. Il a dit pays est arrivé à un niveau côté que ces zones de non droit. Qui gagne précédence sous des zones de droit. Il y a moins côté que police nationale avec pouvoir ça gagne contrôle de yo que côté yo pas gagne contrôle de yo. C'est l'anarchie généralisée. C'est malheureusement une insécurité généralisée qui pas épargnée. Personne son ambiance de sauve qui peut et là on a pays à wap pala moun. Ça plus fort la peine ou bien qui plus fort pour c'est la période avec angoisse qui envahit tout, quelle que soit couche sociale, quel que soit l'âge, quelle que soit. Malheureusement, je vous dis, nous vivons une situation extrêmement difficile. Sauf que, à partir du moment qu'on a les bonnes personnes à la bonne place, l'on a des conséquences qui sont capables et qui ont une velléité politique pour résoudre le problème de sécurité, sans pas obligé de rentrer dans le détail, Mabdou. Il n'y a pas 6 mois pour le problème ça résoudre. Parce que nous avons des techniciens, nous avons des policiers capables de former, nous avons des stratèges. Mais pour le travail, faut-il bien qu'il y ait une volonté politique. Vraiment, 6 mois. 6 mois, par exemple, pour résoudre le problème de sécurité, le problème bandit, je suis obligé de camper sur ça. Intéressant. Il faut clair son bagage. Criminalité. Gagne dans tout pays, gagne au Brésil, gagne New York Cotoya, gagne la côté à Saint-Domingue. Mais c'est pas lui qui la norme. L'homme dit 6 mois, c'est pour retourner à la norme. La norme, ping, ou bien les gonds, les bagages exceptionnels. C'est pas le lot de tous les jours. Donc nous-mêmes, qui très très proche police nationale là, et ma promesse sur Valérie Saint-Louis parce que me changer. Que l'autre est venu visiter le Parlement en 2018,
ou te vini filmé au moment que m'ta présenté une proposition de loi sur la police nationale d'Haïti. Proposition de loi ça m'ta présenté, c'est justement pour m'ta équiper police là, pour m'ta mettre en direction du bien-être des policiers, parce qu'un policier en insécurité pas capable de sécurité, parce que pour petit pour madame ni faut qu'il y ait accès à l'éducation et à la santé gratis, et parce que toute criminalité a évolué. Faut nous regarder qui disposition légale, qui encadrement légal que nous capable bailler la police ça à côté de équipement et volonté politique qui pour rien pour eux-mêmes yo mener à bien mission qui c'est protéger accès à la population. Oh mon Dieu, et là franchement on cas comprendre qui gens nous même dans diaspora et nous gain que sauter jusqu'à présent nous t'endo qui parler là. C'est vrai pour le moment, pour le enfin moment présent nous dit et dans un navire court lointain s'ouvrait nous beaucoup ouais problème insécurité non problème banditisme ou même qui soit qu'à proposer est-ce que par contre moi en tant comme d'état au monde qui quand même aspiré à prendre les rênes du pouvoir qui soit qu'à proposer pas gain aucun politique publique sérieux pour capable déployer nos environnement politique toxique. Ça veut dire que problème politique là c'est lui qui prédomine aujourd'hui après m'a parlé avant, parce que quel que soit ce qu'on va faire c'est laver main sur la terre, parce que pays a pas de stabilité, il pas de sérénité, il sorti dans rail constitutionnel ou non, sauf qui peut généraliser. Faut nous voir quoi politique global côté nous parlons de toutes questions yo mandat journal qui finit pour aller question constitution, question sécurité, question CEPA, question nouveau premier ministre, question stratégie sécuritaire qu'on va parler de l'IA. C'est seulement à partir d'un accord politique largement large patriotique et national que n'a capablement rien question ça. Bien des détails que nous pas besoin d'entrer là-dedans yo, même capable dire sous base crédibilité que nous-mêmes nous capable faire la discussion que fait avec experts en matière de sécurité pendant une perdue. Et m'a invité nous à regarder ça qui est passé Jamaïque au début des années 70. Et une situation plus ou moins similaire, mais ils ont réussi à sortir parce que ils vont leur te gagner des responsables d'État qui te prend pouvoir et puis qui viennent corriger là. Voilà. Et tout ça me d'accord dit sur question ça. Et ça nous apporte un souffle d'espoir. Wow, merci pour ça et merci pour l'exemple jamaïcain. Effectivement, très bon exemple. On point. Jamaïque, Jounet Jodia, son gros, une en peut-être deuxième ou bien première destination touristique. Et vraiment, nous songer, bandit est vraiment envahi pays ça. Maintenant, et Jerry Tardieu d'abord, merci et pour tout le temps qu'on fait ensemble avec nous, parce que là, nous déjà prenons pile temps, notre temps précieux que vous accordez Téléimage. Merci pour ça, merci à Diaspora, parce que là, monsieur est certain que Dame ça a quitté les lumières. Sous question constitution, besoin de voter dans le référendum. Non, vous souhaitez, monsieur Tardieu, vous souhaitez expliquer clairement, et vous souhaitez des recommandations ou des opinions, nous parler politique tout. Mais quelque part, il y a des gens qui sont en live, il y a des gens qui peut-être même dans la diaspora, qui sont même de côté par eux, ils ont regardé le pays. Ils ont que Jovenel Moïse, c'est quand même le président de la République jusqu'à présent, pour eux-mêmes, c'est un président qui travaille, qui a fait route, qui a fait développement dans le pays, qui a bail courant, regardez là, il peut inaugurer le barrage de Marion dans le nord-ouest, c'est quand même quelqu'un qui travaille pour son peuple. Li courir des au monde qui pas tab bay courant, c'est blackout qui tab vendre dans pays a. Jodi a, l'a mettre courant un peu partout. Il faut bien faire les choses et je pense que moun sa autour, les autant d'o k'ap parler là, mais yo wè on l'autre Haïti, yo wè on l'autre bagay, yo wè on président k'ap travaille. Qui sont ka di moun sa? Qui réponse ou gen a moun sa? Bon, m'ap kite l'histoire jugé. M'ap kite moun yo juger yo même et nan pile so sou di yo la m pa wè yo, mais c'est pas moi pour écrire l'histoire d'Haïti. Gen moun ki placé pour ça, gen historien, gen sociologue ka retourné sous période l'histoire. Ça seul bagaille que m'a di ou Valérie Saint-Louis, conception de politique, conception d'un homme d'état qui marque l'histoire, c'est pas combien poteau électrique limité, combien kilowatt courant qu'il baille et même combien l'école li construit. C'est ça qui était comme héritage qui pas obligatoirement tangible. Ça veut dire que mon te Nelson Mandela
passé dans l'histoire comme un grand leader qui t'a fait réconciliation nationale. Sous le mandat de Nelson Mandela, il n'y a pas de comme un courant bas, comme un poteau de métier, etc. Non. Si on m'a dit pour Mustafa Kemal Atatürk, qui prend des grandes réformes quand il le fallait, pour la Turquie moderne, pour que la Turquie rentre dans la modernité, pour que le pays que les Jordaniens je dis, en compétition avec n'importe quel pays européen. Et mais ça, ces dimensions, ça va nous reconnaître quand homme d'État. La dimension de pouvoir se surpasser, la dimension de pouvoir être le président de tous les Haïtiens, de tous les Haïtiennes. Là où son président pour un clan, ou pas président, dans yeux pas. Là où son président tout bon, faut qu'à planer avec les aigles, faut qu'à au-dessus de la mêlée, faut qu'à le père de la patrie, faut qu'à protéger, garantir institution. Et les maps prennent ça comme balise d'analyse. Moi, capable de dire que l'histoire pas très clément avec Jovenel Moïse. Mais m'a quitté historien, fait travail, et m'a quitté peuple là, jugé de lui-même. Parce que une bagaille, et puis Dieu, qui a pris en Haïti, c'est pas que vous crasez institution, c'est pas que vous crasez tourisme, c'est pas que vous crasez économie, c'est pas que vous courez des hommes d'affaires qui peut-être pas de rien. C'est que vous tuez l'espoir. Une très proche jeunesse là. Et le bon pays, écoutez, chaque fois, parle en jeune, les jours, seul pi bon baga qui arrive, c'est jeune visa pour quitter le pays. On est capable de dire que son pays qui méritait, nous tous, chita son bon réflexion pour nous faire un bon travail. Intéressant, réponse arrivée sur nous. Touchante réponse, et quoi que, pas grand haïtien, cap gado là, cap tando là, qui pas à la fin, quelle que soit la position politique, qui n'est pas prisonné dans le même sens. Ça. Nous allons finir, mais une dernière question qui pendant pas parler là, qui passait dans la tête, moi. Une question, je souhaite qu'il pape dire un jour. On parle de Jovenel Moïse, mais un petit peu avant Jovenel Moïse. Dieu est à Dieu. Il dit régime. OK. Eh bien, on y va avec la question. Nous te vois quand même, ça c'est quand même avant Jovenel Moïse, sous la présidence de Michel Martelly, nous te vois, on nous dit supporter, on nous dit dans entourage, peut-être un allié de pouvoir ça, ou te supporté. Et si c'était le cas, je veux dire, est-ce que, puisque de Michel Martelly, on a Jovenel Moïse, évidemment, est-ce que quelque part, je veux dire, on a dit côté regrette, ou bien où est réalité à différemment? Je ne comprends pas sous quelle question et je ne sais quel élément de réponse ou capoter avec. Bon, nous t'as parlé de l'histoire, mais pas qu'on a qui livre l'histoire. Et côté lit que moi j'étais ministre, secrétaire d'État et dans le pouvoir Michel Martelly. Mais ça ne veut pas dire que y a un monde qui t'a servi pouvoir tout, pas de servi dans toute bonne foi. Il y a des ministres qui t'a servi, qui t'a fait des bons travail. Il y a des bons bagages qui t'a fait. Mais sans être ministre, on peut supporter. On peut supporter le pouvoir à sa façon. On peut être un allié du pouvoir, on peut être ami et du pouvoir quand même. Jerry Tardieu, auteur, entrepreneur, citoyen engagé, il a 53 ans. Il a plus de 35 ans de vie active quand il rencontre un pile monde sous passage. Pendant ma parole là, Jean-Bertrand Aristide, son monde que je connais, il a 18 ans, comité philo, il a décidé de faire de lui parrain. Promotion nous t'ai initié avec. Et souvent, Jean-Bertrand Aristide, l'aile t'ai tourné, il t'ai qu'on demandé nous quelques conseils sur question football, parce que nous t'ai footballeur, et nous t'ai toujours répondre positivement. Jacques-Edouard Alexis, premier ministre, m'a demandé nous accompagner dans délégation mixte pour nous défendre la cause d'Haïti devant la Banque mondiale en Espagne. Nous allons, Jean-Max Belgrive, t'es premier ministre, lui m'a demandé nous ça, dans délégation mixte secteur privé, secteur public. Nous allons, nous connaissons Michel Duvivier, Pierre-Louis. Très bien. Jean-Marie Chérestal, le premier ministre. À chaque fois que le premier ministre, que le président, qui m'a dit nous un conseil, qui invite nous un cocktail, qui m'a dit nous siéger dans le comité, nous avons toujours fait
pour autant que c'est Haïti d'abord. Qu'on est capable de joindre des monde, m'a dit ou même qui pour des intérêts non avoués, mesquins, capable essayer d'épeigner l'autre réalité. Mais nous-mêmes, nous c'est des monde d'ouverture. Moi-même, j'étais bien avec quasiment tout ancien premier ministre de Enec Jean-Charles, en passant par Laurent Lamotte, en finissant par Jean-Max Bellery, Michel Duvivier-Bellouis, Jacques-Édouard Alexis, Pompon Chéristal, enfin, Ronnie Smart. D'ailleurs, moi j'étais réussi, ils ont pari que un pile monde pas connecté possible. Réunir 9 anciens premiers ministres, un pile yon là-dedans, pas bien, pour nous parler de questions constitutionnelles. Eh bien, si je me suis ensemble, c'est parce que je suis un homme de compromis et de dialogue. Et je pense que son qualité là quand même. Son qualité là quand même, que je suis capable de lire un spot pour un téléphone, moi, de répondre à l'invitation. Son qualité là quand même, que je suis capable de mettre tout le premier ministre à Chita, Smart, la mort, tout le monde à Chita, puis venir dire, mais ça gagne dans la primature. Et Nek Jean-Charles, tout est là. Je pense que son très grande qualité là quand même. Pas grand pile haïtien, malheureusement, parce que nous avons une société polarisée. Et souvent, malheureusement, et c'est là encore, oui, dès qu'on livre, en 2015, conclusion, c'était Haïti a besoin d'une révolution. Mais ce n'est pas une révolution armée, c'est une révolution des mentalités. C'est le premier côté, c'est le premier pays côté que l'on moun, et gen zanmi dans tout secteur, on moun qui bien avec tout le monde, ce n'est pas une qualité, son défaut. On n'est que Joe Biden, qui je dis à président des États-Unis, il y a une raison qui fait qu'il est réussi président. Eh bien, c'est parce que le tenant Sénat, il était reconnu pour un monde qui était qu'on fait des efforts bipartisans. Parce que dans la politique en Haïti, tout n'est pas toujours noir, tout n'est pas toujours blanc. Souvent, il y a des nuances de gris. Et les bons et les meilleurs ne se retrouvent pas certainement de côté ou de l'autre du secteur politique. C'est là que nous avons nous-mêmes en avant. Nous avons ouvert deux bras nous. Bah, tout Haïtien, quelle que soit l'appartenance idéologique côté gagné dans le passé. Pour autant qu'on est en Haïti, pour autant qu'on voulait servir un gage, pour autant qu'on croit qu'il faut un mouvement qui imprègne la politique pays pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années, nous avons besoin de nous pour changer Haïti ensemble. Merci, directeur Dieu, pour ça. Et nous avons permis tout. Et nous avons même demandé d'adresser à peuple haïtien en général, mais nous connaissons une particularité puisque nous-mêmes nous dans la diaspora. Et ou t'es député diaspora, ou toujours député diaspora, nous, ou toujours leader diaspora, parce que ou gon certaine proximité à diaspora, même permettre, moi dis ça, moi qui parle là, que pile l'autre monde bagaye. Peut-être même ou gon meilleure compréhension de la diaspora que même dirigeant actuel yo. Le dernier mot, the last word is yours, peut-être ou ka adresse à diaspora, pourquoi pas? Eh bien, le dernier mot, d'abord, merci. Merci de ce côté invité pour nous trouver l'idée. De ce côté invité pour me faire parler avec Zaminouyo dans la diaspora et pourquoi pas dans le monde entier, même en Haïti, puisque par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout le monde peut regarder l'émission ça. Et m'a dit yon seul bagaille. Merci. Merci pour confiance. Moi, sur Instagram, moi, sur Twitter, moi, sur Facebook. Mais ouais, un email que nous voyons pour moi tous les jours pour nous dire qu'on est là, pas la guerre. Lutte là difficile, mais je voulais dire que la bataille que nous avons menée, nous avons menée pour contre moi, nous avons menée avec l'ensemble de l'autre leader. Et nous tous, nous avons fait honte. Parce que c'est pour Haïti que nous avons travaillé. Merci un peu, Valérie Saint-Louis, que mon Dieu bénisse. Merci un peu, directeur Dieu. Ou même tout que bon Dieu bénisse. Merci pour le travail qu'on a fait. Merci pour ça, c'est adore ça. Parce que nous, on est pas bas facile. Parce que être en Haïti, être directeur Dieu en Haïti, avec position qu'on prend là, position en face pouvoir, position en face, ça qui a passé dans le pays qui n'est pas bon, n'est pas facile. Juste un moment insécurité, ça. Et bon, ma fini pour m'adore, est-ce qu'on sent en sécurité? Parce que même nous, on a sécurité ces jours-ci, personne n'est en sécurité dans ce pays, mon Dieu. Eh bien, nous souhaitons ça qu'a changé. Valérie Saint-Louis, pas oublier que et depuis l'indépendance, nous faisons partie d'une famille et qui a une tradition de servir le pays. Nous sommes petite Pierre Tardieu qui était député Corail Pistel et qui a fait élection du Marseille estimé qui était une plus grand président que Haïti jamais connaît. Et l'équitem comme héritage, ça nous capable briller et l'amour d'Haïti. Et contre vents et marées, il était contre bataille.
et contre vents et marées, je pense que je bataille tout, de telle sorte que je suis capable d'honorer mes moelles et toute faculté qu'on apprend. Dès lors qu'on est du bon côté de l'histoire, le combat est important. Car dans la vie, ce n'est pas tant la victoire qui compte, mais le combat, pour autant qu'on soit du bon côté de l'histoire. Voilà. Merci, Jerry Tardieu. Merci, Pascal, du bon côté de l'histoire. Merci encore une fois. Merci. Et puis, en avant, avec Jerry Tardieu et son mouvement en avant. Merci encore une fois, Jerry Tardieu. Je souhaite que nous gagnions une autre fois. Et nous gagnions peut-être des projets, nous-mêmes, dans la télé-image, pour nous faire des, pas dire des face-à-face, mais des petits débats avec des mouns qui peut-être qui sautent en dos là, qui parlent de constitution, qui eux-mêmes ont gagné une autre opinion, qui peut-être eux-mêmes tout ont une autre façon de voir les choses. Peut-être que le ça n'a pas invité, et c'est sûr, comme toujours, ou a toujours voulu venir chiter ensemble avec nous. Jerry Tardieu, merci encore une fois. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. This segment was brought to you by Kola Shukun. And also brought to you by La Parfumerie de Barbara, barbarasperfumes.com. En ce plus beau jour de votre vie, madame, vous serez la plus belle des femmes grâce à Madelange Laroche Bridal Design Studio. Madelange Laroche Fashion Designer de haute couture internationale est prête à concevoir votre robe de mariage cousue sur mesure pour vous et seulement pour vous. At Madelange Laroche Bridal Design Studio, we offer a variety of services to meet all of your bridal needs, from custom wedding gown design to even gown cleaning. Toute belle rade mariage ça y est, faite sur mesure spécialement pour et c'est au même seul qu'a bien coup de ciseaux, coup de design ça ne rate mariage ou parce que c'est Madelange Laroche, un gros designer international qui a coup de lipou. Tepi Kouniala, relais pour prendre un rendez-vous dans 814-588-3113. Book your appointment now for your custom bridal gown, ready-to-wear gown, alterations, bridesmaids, flower girl gowns and dresses, mother of the bride, mother of the groom dresses, tuxedo rental, bridal accessories. Call now Madelange Laroche Bridal Design Studio, 814-588-3113. Designer international, Madelange Laroche a habillé toute bridal party. A sauté sur les mariés, les parents, la marraine, rivé sous garçons et filles d'honneur. Et ou même qui besoin d'une belle rate de sortie, une rate de gala et de grands événements, contactez Madelange Laroche dans 814-588-3113. Madelange Laroche Bridal Studios sont situés au 95 Old York Road, Elkins Park, PA. Madelange Laroche sur internet au www.madelangecouture.com. Ou encore tout simplement, appelez au 814-588-3113. La marque Madelange Laroche s'associe à la classe, l'élégance, le luxe, la beauté et l'intemporel. Alors madame, soyez belle en ce plus beau jour de votre vie en portant la marque Madelange Laroche. Hey, did you know that there's a new urgent care center in your community? We're Big Apple Urgent Care, located in Brooklyn. I'm Dr. Moise. This is Physician Assistant Phils. We're personally inviting you to come in to us for your medical needs. We treat everything from sneezes to stitches. Can't get an appointment with your primary care doctor? Just come to Big Apple Urgent Care and we'll see you right away. No need to wait long hours in the ER for minor illness. We'll see you in under an hour. We are the only Black-owned certified urgent care in Brooklyn, located in East Flatbush. We are very involved in the community and we understand the culture. We speak Haitian Creole, French, and Spanish. We accept most major insurances. No insurance, no problem. We can still see you, and we offer the lowest prices in town. Nous parlons Creole, nous parlons Français, et nous parlons Espagnol. Here at Big Apple Urgent Care, we provide care for children as young as 2 years old, and all the way up to seniors. We provide work and school physicals, immigration medical exams, and CDL exams. We even have x-rays and labs on site. Just come in, no appointment necessary. Be sure to check us out on Facebook, Google, Instagram, and our website. For more info,
call the number below. Be heard. Be helped. Be healthy. L'huile mascretti créole là, 100% naturelle. Bon Jean pour du local. Cheveux souples, plus belles, plus longues. Ah, l'huile mascretti créole. Qui s'accroche, cheveux ne pas casser encore. L'huile mascretti créole. Ou fatigué, qu'on a fort mal checké. L'huile mascretti créole. Original, produit local. L'huile mascretti créole. C'est tout bon, t'as paniqué ou pour le pousser cheveux. Fais cheveux au jam, fais bien pousser, produit local lié. Fatigue à tracasse ou douleur à déranger. Pas gain de secret. Servi à l'huile mascretti créole là. Cheveux souples, plus belles, plus longues. Ah, l'huile mascretti créole. Qui s'accroche, cheveux pas casser encore. L'huile mascretti créole. Ou fatigué, qu'on a fort mal checké. L'huile mascretti créole. Original, produit local. L'huile mascretti créole. L'huile mascretti créole là, distribué. US 305-988-6769. Mandez l'huile mascretti créole là. 100% naturel. Bon Jean produit local là. My name is Judge Dwayne Esther Paul. Juge Dwayne Esther Paul, c'est une petite lacaille, une seule haïtienne qui a participé dans l'élection pour Kings County Surrogate Court Judge dans le deuxième district là, dans Brooklyn, New York. Juge Dwayne Esther Paul fut la première haïtienne américaine à avoir été élue comme juge à la cour civile de la ville de New York. She's running again because she wants to focus on family legacies and preserving generational wealth. Judge Dwayne Esther Paul, non seulement li se yon petit haïtien, mais li chargé ak expérience. She was civil court judge in Kings County, family court, acting supreme court justice in Queens County, circuit court as law clerk in Baltimore City, criminal court as judicial intern in Queens County. Jou kap mardi 22 juin sa, tout communauté haïtienne en Brooklyn supposé lever bonheur pour y aller voter pour juge Dwayne Esther Paul. Invité famille nous, toutes amis nous haïtiens ou étrangers, pour aller voter en foule you haïtienne américaine juge Dwayne Esther Paul. Dwayne Esther Paul is a judge with integrity, compassion, fairness, and with lots of experience. Let us all vote on the primary elections on Tuesday, June 22nd, 2021 for Judge Dwayne Esther Paul as Kings County Surrogate Court Judge. The real estate business is moving so well these days. It's a seller's market. Sou ta reme fè yon bel kòb sou kay ou a jodi a, se bon moman pou vann kay la. Si ou ap chèche yon bel ti kay pou achete, nou gen plizye bel kay a bon pri tout patou nan etan New York, lan soti Spring Valley, Rockland County. Passe nan Brooklyn, vire nan Queens, rive juste nan Long Island, Nassau and Suffolk County, nou gen plusieurs bel kay kap tan nou. Nou travay avec des experts loan officers nan plusieurs banques kap fasilite ou joine l'ajan mortgage pou achete kay ko ta vle a. Depi ou ap travay, ou ka achete kay ko ta vle a. Pa chita fè rêve bel kay seulement, mache vin pran klik kay ou pou mouv la dan tout suite sans perdre du temps, même jak plusieurs clients que nou gen ki gen tan joine kay pa yo et ki très satisfait. Merci.
Mercedes Narcisse for City Council, District 46 in Brooklyn, New York. Jou mardi 22 juin sa, tout Haïtien qui rete Brooklyn nan quartier Bergen Beach, Canal Sea, Flatland, Georgetown, Garrison Beach, Marine Park, Mill Basin, Mill Island at Shipset Bay, nou tout nou pral voter Mercedes Narcisse pour représenter nous valablement comme New York City Councilwoman. Mercedes Narcisse, a mother, registered nurse, businesswoman, longtime resident of Brooklyn. She's ready to fight for you and be your voice in the New York City Council District 46. Tous les Haïtiens de Brooklyn et d'ailleurs reconnaissent déjà le dynamisme et le leadership de Mercedes Narcisse, cette femme d'Haïti originaire de Saint-Marc qui se bat depuis des années pour sa communauté. Votez, supportez, potez coller, bail donation pour Mercedes Narcisse for NYC City Council. Visitez bureau dans 9203 Flatland Avenue dans Brooklyn. Visitez-le sous page de mercedesfornyc.com. Rélez-le dans 347-455-2119. 347-455-2119. Un seul coup de clé bon dans le jour mardi 22 juin ça. Nous tous prêts à voter Mercedes Narcisse for New York City Council District 46. Haïtien, haïtienne, l'ambi rassemblement en sonne tout partout dans le monde là. Tout petit li au tribobabo, chita ensemble. Sauti 15 pour arriver 19 juillet 2021. Organisation MPHC, Mendefi, HAUC, Kadi, ak an pilote organisation encore, a invité nous dans une grosse conférence internationale. Côté toute diaspora haïtien pral chita, pour nous former une organisation diaspora qui pour al représenter nous dans affaire pays nous Haïti. Tendez à quoi c'est deux? C'est pour yon dilon. Nous là pour nous assister avec mes Pas quitter de vos portes tourner des cailles. Nous c'est premier pays qui abolit l'esclavage. Nous c'est premier pays nèg qui baille indépendance. Dans tête ensemble, n'a pas changé pays nous. Pour plus d'informations, relais Maraville 347 204 1869, Judith Portier 813 416 2558 et Patrick Auguste 819 635 34 59. Diaspora haïtien sur toute planète Terre pour un changement réel pour pays d'Haïti. Nous devons mettre main nous et impliquer nous tout bon fruit. L'école n'en boucle la messe, c'est ça m'vin mandé. Ma parle une des plus bons agents qu'on est dans New York, là, c'est Valérie avec Barbara, c'est une des plus bons agents et pour service au balasso service 5 étoiles et on va venir ça de pas de côté et vraiment apprécier service et tout gens tout yo actif et puis tout yo même pour ça même tellement yo veulent balla plus que ça vraiment apprécier ça son ba nous te compter fait longtemps bon nous jeune et nous aimer service en tout et nous vraiment citer tout pour nous entrer dans calan. Nous besoin bon agent parce que une plus bon côté le besoin venir parce que et nous vraiment ba bon support nous ba vraiment tout nous-mêmes et mais qu'on a rêve l'en réaliser. Monsieur Femme dit nous et m'a vraiment songer nous tout parce que c'est ton équipe quand même que nous t'ayez l'homme relo me toujours demandé comment est la guito? Guito dit, n'a prié, n'a veillé. Son bel bagage vraiment fun prier, fun veiller, mes amis. Ouais. Et m'a songé petit phrase ça, et m'a toujours songé pour phrase ça, tout. Ouais. N'a prié, n'a veillé. Ouais. À moi aussi, mais mon dernier moment, soit dit, moi avance, c'est nous-mêmes qui communiquons toute journée, toute la nuit. Guito fait jalousie, dit qu'elle aime blier lui-même. M'a blier guito tout, mais quand même, vous connaissez, femme dit nous, messieurs, vraiment, ça fait plaisir, tout pour moi en tant que frère, nous solidaires, nous mettons ensemble. Et c'est ça que nous dit tout le monde qui a regardé là. Nous c'est trois frères qui mettent ensemble pour acheter Kai ça. Son belle Kai qui là la Cambria Heights. Faut me dire nous que son investissement nous fait là que nous pas perdre comme nous. Vous comprenez? Parce que Kai qu'on y a là monté de temps à autre il a monté. So comme nous serré dans banque, c'est ça que le building wealth là. L'Amérique le monde venir au dieu des American Dreams là et bien voilà. Nous l'American Dreams là monsieur, nous fait commencer là. Vous comprenez? Moi-même, Valérie, on a souhaité nous bonne chance. Et merci. Nous disons merci tout de ce que nous avons choisi nous pour aider nous dans l'aventure. Parce que c'est une grande aventure que l'on a, c'est un gros commitment que l'on a acheté. Vous comprenez la responsabilité nous, que nous avons là. Donc, nous avons souhaité que bon Dieu bénisse Kaï ça. Bon Dieu bénisse nous-mêmes en tant que famille pour nous toujours être unis.
OK, c'est frère nous, pas quitter rien diviser nous, pas quitter monde venir diviser nous. Merci pour service là et Kembe là va c'est chose ça nous besoin dans communauté haïtienne et haïtien qui travaille ensemble et pour service là on nous là enfin mille merci par participer et Kembe là et moi conseiller n'importe monde qui t'a envie acheter caille Valérie Lima avec et Baba avec et Valérie. C'est un best agent dans Brooklyn, dans New York là même. Yo couvre tout New York là. Si nous besoin yo, checker yo, y a bano bon service. Même là nous pas pensé à nous besoin checker yo, y a pas de nous chercher. Yo un bon travail. D'après ce que juste nous joindre. Juste nous joindre. Nous n'attend l'autre monde qui vient yo. Parce que opportunité là pour tout monde et saisir pour saisir. Et voilà, amis internautes, l'heure précise, 11h05, 5 minutes après l'heure, en pleine fin de cette émission, il faut dire. Émission qui nous a fatigués aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que notre collaborateur Gary Altidor se repose aujourd'hui. Merci à toutes les personnes, tous les internautes qui ont envoyé des souhaits de rétablissement à Gary. C'est pas qu'il soit malade, au fait. Il est juste pas senti bien. Il me dit, Gary, on t'y pose, reposez-vous. Et c'est ce qu'il fait. Il est branché quand même. Donc, tout le monde qui a écrit là, qui a salué, il dit, ouais, toute salutation. Ça. C'est qu'il y a que moi, quand pile message, il a monté, il joint moi dans message WhatsApp. Il faut me dire, nous, pendant l'interview, hein, c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Puisque, écoutez, hein, c'est. Nous ne pouvons pas concentrer sur tout le monde. Rappelez-nous que c'est moi qui ai fait tout le travail là. Le travail technique, c'est devant moi, la console technique, je m'en occupe. Et la programmation et la mise en onde et tout ça, c'est encore moi. Donc, c'est vraiment pas facile. Merci pour votre compréhension, votre patience. Et merci aussi à notre invité qui, aujourd'hui, je dois dire, et si Jerita Dieu continue à suivre et puis si il y a un monde qui branché, qui a mis le cap dit ça, dit pour moi que le député a pété plafond aujourd'hui. Hein. On a eu un record dans les chiffres sur notre page Facebook, notamment parce que je suis sûr que, évidemment, en pile monde fanatique, les adhérents au mouvement en avant, et puis monde qui, au même tour, eh bien, ils ont allé dans le même sens avec Jerry Tardieu, l'ancien député, leader du mouvement en avant. Il était en bas live là, merci pour ça. Il y a plus de monde qui n'est pas d'accord avec tout, ça j'ai remarqué. Il y a plus de monde qui n'est pas d'accord tout, qui était en bas live là. Merci pour l'échange qui t'a fait, yo, bien que parfois nous remarquons l'échange, tu as eu des tiraillements là-dedans, mais nous remarquons que nous étions corrects, nous étions des mondes de bien, que quoi que nous y est, parce que je le dis toujours, vous êtes les meilleurs internautes du monde, c'est le meilleur public ça, que quoi que m'arrivez. Il y a un privilège de gagner les m'a fait live ça le dimanche parce que nous corrects. Nous avons opinion, nous c'est vrai, nous partager opinion, nous défendre ça nous quoi la donne. C'est vrai que nous, il y a des fois qu'on est très énervé parce que carrément, et quelque part du moins, nous toutes, que nous pour, que nous compte, nous remet pays, nous t'avons pays à changer, nous pensons que c'est un tel qui a fait changer plus bien que l'autre, non, mais quelque part finalement, c'est l'amour pour Haïti qui fait que nous avons engouement ça. Nous avons zèle ça, nous avons même énervement ça contre nous, les nappes échangées sous page en bas live là. Je suis aussi fatigué, moi aussi. Et comme la tâche a été accomplie encore une fois ce soir, et malheureusement sans notre collaborateur Gary Altidor depuis ses studios à Queens, we are missing you here, Gary. But please, get some rest. Nous saluons encore une fois tout le monde qui branché sous page YouTube. Bonsoir spécialement à Virgin. Virgin, elle aussi qui était branchée, j'espère, jusqu'à la fin. Virgin est encore là. Bonsoir Virgin, encore une fois, sous page YouTube là, bon, et je connais page YouTube là, il y a plus de monde qui a boumé la donne. Par contre, pour qui ça, mais c'est encore toujours même bagaille là. Pour Facebook, ça a été bien, conversation a été correcte, échange a été correct jusqu'à présent, merci. Yes, Gary should be well soon. Merci à Madame Narcisse, Mercedes Narcisse, qui dit même, nous respectons, qui a couru pour une position dans Brooklyn, elle est déjà élue. Communauté a élu dame ça parce que la boumé longtemps, son femme Semak, ou femme Vayan, qui a boumé pour communauté haïtienne. On termine, mais juste avant, voici encore une fois Barbara qui vous présente ses gift baskets. These are spring baskets, but ready for you for Mother's Day. La parfumerie de Barbara, c'est le plus grand sponsor de ces émissions. Eh bien, laissez-moi encore une fois vous présenter Barbara qui, justement, vous présente ses paniers cadeaux préparés spécialement pour la fête des mères. Les fêtes des mères, je dois dire, parce que nous autres,
dans notre communauté, la communauté haïtienne, nous autres haïtiens, nous fêtons la fête des mères américaines. Et puis plus tard, pendant le mois, nous fêtons aussi la fête des mères haïtiennes. Donc, nous avons fêté doublement. S'il vous plaît, fêtez à maman yo, dis maman yo que nous aimons yo. Nous, et Jean-Marie Laye, nous, ouais, après Corona, quand pile maman qui pas là, malheureusement, c'est avec tristesse que nous avons dit ça. Et bien, pour ça qu'il a eu, pour maman qu'il a eu, qui pas malade, qui en santé, qui encore en vie, et bien, dire que nous aimons yo. Présenter un bel panier cadeau. Regardez le panier cadeau. Beautiful gift basket. Barbara lui-même, c'est sa passion. Je vous assure qu'elle prépare ses paniers cadeaux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soin. Et elle a toujours dit ça. Si lui-même, eh bien, le panier cadeau, ça, s'il fait, c'est parce que lui-même, tout le temps, il me recevoir comme cadeau. Donc, il semble que je vais acheter à Barbara un panier cadeau de la parfumerie Barbara juste pour lui offrir pour la fête des mères. How about that? Once again, here she is. She's showing you the gift basket. Let's watch it again. Look at this here, beautiful gift baskets with les bien-être, toute qualité parfum. Produits que maman nous t'a aimé, les mamans, les grand-mères, les tantes, le mon savon, petit peu de bourgeois même, c'est ça net. Look at this here, they love their poudre bourgeois. Yes, they're beautiful, Mercedes. Just for the moms. Come on guys, this is nice. And I think Barbara, she's putting her heart into it. Ce parfum par exemple, la vie est belle, c'est un parfum à offrir. Car effectivement, la vie est belle. Offrez donc ce panier cadeau à votre chère maman. C'est la fête des mères qui s'annonce. Donc Barbara est prête pour vous aider à offrir ce beau cadeau. Tifenja, Lyola, tout. Toute la gamme des produits Fenja, je dois dire. Gain crème de parfum. Gain déodorant Fenja. Gain tout bagaille Fenja. Donc toute la gamme Fenja, Barbara gagne pour nous. Ce panier encore, c'est un beau panier. Regardez ça. J'adore. Yes, Mercedes, come down and come get yours. Yes, ready for you. Voilà, la parfumerie de Barbara, qui, encore une fois, vous invite à venir prendre vos paniers cadeaux. Yo paré déjà, yo là, Barbara is ready for you. So, s'il vous plaît, puis écoute, prends le vent, parce que, et mentionner tout, Barbara l'aurait dit elle-même, ben mentionner pour lui que les paniers cadeaux, pardon, sont uniques. Give basket, yo, they are, once she made one, of one kind. So, ou pas besoin de deux paniers cadeaux qui semblent. Donc, c'est encore un avantage et parce que c'est particulier dans les services que vous propose Barbara et à la parfumerie de Barbara. Et voilà, amis internautes, I shall be leaving you soon. Leaving you now, c'est l'heure de partir. On termine plus tôt aujourd'hui, remarquez. Gary n'est pas là, donc on part un peu plus tôt. Puis, très fatigué, je dois dire. Nous étions live hier. Let me give you an idea of what happened yesterday. Et me pense que c'est live ça. Oui, qui est un petit genre dérangé podcast nous. I think so. Un petit dérangé podcast nous parce que page Valérie Saint-Louis, hein, li bloqué sur Facebook. Obligé faire, heureusement, obligé faire sur page téléimage, Facebook téléimage. Hein. Ok, je vais partager avec vous ce qu'on a eu hier. Donc, hier, c'était MPHC qui sont organisation. Mouvement patriotique des Haïtiens conscients. Donc, c'est présentation ça que j'ai gagné hier. Donc, c'était tenu hier. Et puis, background, là, c'était hier. MPHC qui était présenté, voilà, des invités qui étaient ensemble avec nous hier. Nous avons gagné Tamara, je pense. She's a police officer from Alepho. Nous avons gagné plusieurs qui étaient participés dans le débat. Ça, c'est un super débat. Un super, vraiment, une très belle initiative de MPHC pour mettre et diaspora ensemble. Là, on retrouve Lieutenant Célestin de Alepho. C'est un police, Haitian American police officers. They were part of the show yesterday. We had a great live, a great show yesterday. Un bel panel. Côté que dans panel ça, nous avons rejoint plusieurs monde à travers le monde, on nous dit, puisque Bito Varoba, lui aussi, l'artiste Bito Varoba, nous a rejoint. Lui, depuis la Belgique. He was there with us from Belgium. Here is Bito Var. Here we go. C'était plateau à ça. Donc, une belle discussion qui était faite. And can Haiti be the beneficiary of a united diaspora? C'est l'unification de la diaspora qui a prôné. Si la diaspora met tête ensemble, on a plus fort. Effectivement, on a vraiment capable de faire une différence. Non seulement pour questions politiques, dans les affaires référendum, etc., etc., mais aussi question développement pour le pays. Bito Varoba était très entiché dans le débat ça. Il était en pile point avec un pile. Nous connaissons un gourmand Bito Var. Et certainement, l'amour que vous payez, donc Bito Var, c'était une tête d'affiche dans le panel ça hier. Donc c'était hier, je rappelle. Nous avons une vidéo ça disponible, c'est vraiment sur page YouTube nous et sur page Facebook nous. C'était une initiative du MPHC qui justement, mal fait invitation encore une fois,
qui a invité nous dans un grand congrès de la diaspora en juillet prochain à Orlando. Mes amis, diaspora finalement qui arrivé, mais tête ensemble, et c'est pour nous force, c'est pour nous force pour Haïti. Voici l'invitation encore une fois du MPHC. Haïtien, haïtienne, l'ambi rassemblement en sonne tout partout dans le monde là. Tout petit lio, tribobabo, chita ensemble. Sorti 15 pour arriver 19 juillet 2028. Organisation MPHC, Mendefi, HAUC, Kadi, ak an pilot organisation encore, a invité nous dans une gros conférence internationale. Côté toute diaspora haïtien pral chita, nous former une organisation diaspora qui pour al représenter nous dans affaire pays nous Haïti. Tendez à quoi c'est deux? C'est pour yon dilon. Nous sommes là pour nous assister avec mes veilles. Nous ne pouvons pas quitter de vos portes tourner des cailles. Nous sommes le premier pays qui abolit l'esclavage. Nous sommes le premier pays nèg qui bail indépendance. Dans tête ensemble, nous avons changé pays. Pour plus d'informations, relais Maravilmé 347 204 1869, Judith Portier 813 416 2558 et Patrick Auguste 819 635 34 59. Diaspora haïtien sur toute planète Terre pour un changement réel pour le pays d'Haïti, nous devons mettez nous et impliquez nous tout bon vrai. L'école n'en boucle, monsieur, c'est ça, m'pinmande. Voilà, invitation lancée. Nous gagnons au téléphone, nous sommes au téléphone, entrez en contact avec l'organisation, ça, MPHC, Mouvement Patriotique des Haïtiens Conscients. Faut nous dire, tout en parenthèse, je ne suis mais m'a pas annoncé, il y a une manifestation, une proteste, une marche. Et on nous dit plutôt, c'est ça, une manifestation qui a fait dans Washington d'ici le 18 mai prochain. Et c'est pour dire non à ce qui a passé dans le pays. Ce n'est pas ni pour ni contre que manifestation ça a fait. Les gens qui a là donne évidemment, ils ont une opinion politique par eux. Ça, c'est un problème par eux. Mais son manifestation pour dire non à ce qui se passe, surtout l'insécurité, le banditisme, le kidnapping et puis violence qui a fait dans le pays. Contre la dictature, certainement. Et puis contre ce qui se passe en Haïti. Il y a une autre manifestation qui a fait par bord la Cour New York le 18 mai prochain. Donc, 18 mai, ça. Je pense que la diaspora est aussi mobilisée pour revendiquer ses droits et pour dire non à, face à ce qui se passe en Haïti. Les messages qui me viennent, mais je réponds tout à l'heure. En allez, après saluer, salutations et formelles pour tout le monde qui était là. Bonsoir Madame Chantal Hilaire, bonsoir Chantal Hilaire, Eddie Jean, Marie Meunier, Ronald Jean-Charles, yours truly PL, Barrage Marion. Oui, Barrage Marion, c'est dans le nord-ouest, si je me trompe, au nord-est, nord-ouest. Nord-Est, en tout cas, pas loin de Fort Liberté, yours truly. Donc, si vous êtes intéressé à aller dans l'inauguration, vous êtes capable, certainement, et bon, entrer en contact avec le gouvernement. Elio Leblanc. Bonsoir tout le monde, Gigi Mathieu, enfin, tout habitué qui est sous page YouTube. Nous, encore une fois, on salue Jaffna. Bonsoir Jaffna, bonne soirée. À toute la famille aussi. Et puis, s'il vous plaît, pas de jaloux, hein. Pas fait jalousie. N'a salué mon YouTube, Jean Elidey et tout le reste. Et puis, et Somme 23, où là tout? Ok, Somme 23, Bouge Valerio Rose. Non, Somme 23, qui soit fait garder Bouge Valerio. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Somme 23, Bouge Valerio Rose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Madame Sali, même qui dit que. Madame Sali, ta chita. Oh, t'as fait ta son chaise, ok. I'm having fun with you. Sur notre page Facebook, ma chère maman que je salue, encore une fois, elle demande à Gary de se porter bien. Gary, stand up, get well soon. We miss you tonight. Yes, we miss Gary tonight. Et puis, Jean d'Orsainville, tout autant diaspora pas organisé, pays a pas toujours, pays a toujours pris la mira. En tout cas. C'était un plaisir. Bonsoir tout le monde. Merci. Au nom de Gary Altidor qui se porte, qui va se porter mieux, qui nous rejoint la semaine prochaine. Au nom de tout le staff de Téléimage. Au nom de Barbara Saint-Louis, ma chère femme, qui est aussi derrière les studios de retransmission en direct ici à Long Island. Je veux dire bonsoir tout le monde encore une fois. Merci. Parce que nous avons choisi Téléimage pour informer, former, divertir. Je veux dire à nous avons gagné l'ancien député Jerry Tardieu. Auteur de plusieurs livres, entrepreneur et surtout leader du mouvement En Avant. Nous apprenons qui ça En Avant et puis Jerry Tardieu saute parler avec nous, il saute parler de référendum ça. So the title of his interview was The Truth About the Referendum. So Jerry Tardieu saute éclairer nous, parce que votre lanterne maintenant est éclairée. Donc si il y a des questions, évidemment, entrez en contact avec Jerry Tardieu, il est sur tous les réseaux sociaux. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, au nom de Gary Altidor, en mon nom propre,
et de toute l'équipe de Téléimage. Bonne fin de soirée, bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre édition de Téléimage en live stream. Nous verrons qui est-ce qui a invité nous. Donc, prochaine fois, nous te dis ça. Après l'engager, nous pouvons commencer. Ouais, si déjà nous capables, bien t'as conquis, est-ce qu'à inviter pour nous annoncer dans live qu'a fini là pour semaine prochaine. Éventuellement, ce sera pour une prochaine fois. N'a bien t'as invité. Hein? L'invité sera connu. Encore une fois, s'il vous plaît, pendant ce semaine, faites très attention. Si vous conduisez au volant de la voiture, passez votre ceinture de sûreté. Pas de texte, pas parler dans le téléphone pendant sous la machine. Non? Bien que me fais ça moi-même, qu'on y a me faire attention. Et puis quand d'abord, avant de prendre volant. Bon, par contre, monsieur Tafiateur, monsieur Dame Tafiateur, it's a nonsense, right? Be safe, be well. Bonne fin de soirée, bonne semaine. This is Valerio Saint-Louis signing off for this edition of Téléimage live from New York. Bonne nuit. This edition of Téléimage was brought to you by Cola Choukoun, the real Haitian cola with Haitian flavor. Cola Choukoun. Also brought to you by Madelange Lawash Bridal Design Studios. For all your bridal needs, custom wedding gown, fashion wear from Madelange Lawash, Madelange Lawash Bridal Design Studios, 8015 Old York Road in Elkins Park in Pennsylvania. Telephone 814-588-3113. Brought to you by Big Apple Urgent Care. Excellent care from medical professionals who care and listen. Big Apple Urgent Care, 3805 Church Avenue in Brooklyn, New York. Telephone 718-287-0616. Also brought to you by Bo Cafe, best Caribbean cafe and food. Bo Cafe, 557 Grove Street in Irvington, New Jersey. Telephone 973-399-1699. Also brought to you by Belimage Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing, and graphic designs, Belimage International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belimage Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Brought to you by the real estate power team, Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. Also brought to you by Barbara'sPerfume.com. The best exotic French perfumes, beauty and cosmetic products, best skincare and hair products from France and Europe. Barbara'sPerfume.com. Located at 1925 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. Or call to speak to the perfume lady. 516-805-2318. Log into Barbara'sPerfume.com. Click shop and buy. We ship all over the U.S. Barbara'sPerfume.com. 516-805-2318. And now, going back to our live stream.